Et bah c'est parti. Bah c'est parti. Hello. Et yo, Bonjour. hello les Bonsoir. forbans. Bonsoir. Hello. Okay. Quatrième session de Pavillon Noir. Tu one shot, tu donnes 3.5. La 3,5, 3.5, ouais. 3.5. du one shot en effet qui dure la durée d'un one shot. Évidemment. Je vous dis, en fait, ça va être un peu plus long. Enfin, non, ça. Enfin, ouais, c'est un peu plus long qu'un one shot ordinaire, mais ça, vous l'aviez compris. Oui, ça. T'inquiète. Donc, ça se finit pas en un soir, mais bon. Ok, bah, il s'est passé quoi la dernière fois? Bonne question! Eh bien, nous étions sur le bateau. Ouais. Et le bateau a pris la mer. C'est quoi le nom du bateau? Saint-Michel. Saint-Michel. Oui. Ah. C'est quoi comme type de bateau? Une galette. Non. C'est une flûte. Ah, ouais. Flûte alors. Flûte alors. C'est pas une pas un Rio Tiki. Enfin, ne pas confondre. Oui, ça c'est la vidéo se ressemble. Voilà. Alors écoute, j'invite le MJ à nous mettre le plan. C'est-à-dire c'est un fameux trois mâts, mais... Oui, c'est ça. Le plan. Comme un oiseau. Ouais, bah. Le plan du bateau, en fait, haut. Comme ça. Enfin, ça du peut bateau. Nous... Ah, oui. Ouais, ça nous remet dans le... Putain, j'ai... Alors Bana, vu que toi, tu l'as pas vu... J'ai raté des trucs, oui. J'ai raté des trucs. Oui. Ah ouais, c'est ça qui était blanc, ça m'avait piqué les yeux. C'est un peu ça. Ouais, le truc blanc. Je vais pas me faire chier avec coloré. Tu fais aucun effort, vraiment. Ouais, vraiment. Ça m'a pas pris une après-midi à faire, mais c'est pas grave. Alors, donc. Ah, je reconnais le cuisinier. Ça. Alors, en gros, donc nous étions sur le pont. Mio s'est occupé donc à faire ses trucs. Voilà, de l'arbin. Voilà, de l'arbin. De Vénie. Avec les câbles, enfin les cordes. Matelot. Ouais, matelot. Les manœuvres. Il y a des manœuvres. Non, il n'y a pas de jet, c'est la dernière. La saison. La session. C'est-à-dire que bon, il y a eu un peu de trucs. Alors en gros, moi et Joseph, on est un petit J'avais peu. J'avais pas resté... fait un petit jet, moi. Non. Pas eu d'XP. Pour qu'on sorte doucement et comme il faut. Alors. Non. Mais non, parce que c'était d'accord. Pas. C'est pas. Enfin. C'est pas toi qui as réussi. J'avais réussi dans ma vie. C'est pas la mienne qui prend l'homme. Quelque part, on n'a pas coulé donc tu as réussi. Oui, j'ai réussi dans ma tête. Ce qui est très bien. T'as pris de coups de fouet donc c'est que t'as été bon. A priori. C'est vrai que c'est. Il y a les fouets. Oh putain. J'ai oublié ce détail. Alors oui, donc voilà, moi et Joseph, on a un petit peu resté observer un certain temps les gens manœuvraient. On a entendu et HRP, nous avons chanté un chant de marin. Ah oui. Oui. Ah, ça me dit... Ah, Ibana, t'as raté ça. Ça me dit rien. Ça ouais. Putain, j'étais là en plus. On a chanté, mec. On t'a pas réveillé? On a chanté. Écoute, ah, nous allons. Très grave, pour rattraper, Ibana chantera tout seul. Oui, voilà. Si tu veux, donne-moi les paroles. Eh bien, écoute. C'est à toi, vas-y, Max. Non, j'ai... Non, par contre, l'idée de le faire chanter, oui, en gage, ça serait pas mal, ouais. J'avoue. C'est pas de ma faute. Je rappelle, par rapport à ça, que... c'est... alors, en termes de RP, c'est hyper important. Alors, ça chante beaucoup sur à bord. Mais en termes de règles, ça file des bonus si vous proposez la chansonnade... Ah bah ça je savais pas tu vois. Parce que c'est pas moi qui vais vous dire à chaque fois allez. Hein. On peut chanter du Renault quoi, c'est bien ça. Ah non. C'est pas l'homme. C'est à bâbord. Voilà. Enfin bref. Il sait où Santiago. Tiens bon la mare. C'est interminable. C'est bon, on les connaît. Oui. On aura des bonus. Moi, en tant que Van Alphen,
je me suis donc j'ai pris l'initiative d'aller chercher trouver ma cabine pour voir où j'allais me loger. Donc je suis descendu dans le point inférieur où j'ai rencontré notamment le sympathique maître canonnier. Il m'a guidé un petit peu, il m'a dit oui, allez plutôt là-haut, là où il y a le capitaine qui vous dira où est votre cabine. Il a été très sympathique avec moi. Antoine Petit. Merci. Donc voilà, à noter que bien sûr, que voilà, lorsque je suis descendu, j'ai vu les cadons et je me suis dit, ah, c'est peut-être pas là que je dors. Voilà. T'étais monté, t'as vu des canons là où tu dormais. C'est pas terrible. Et voilà, donc voilà, j'arrive, je vais là où il y a le capitaine qui m'indique également là où je vais dormir. Voilà, je vois qu'il est concentré, sec, mais assez charismatique malgré tout. Bah c'est quelqu'un qui est quand même de bonne famille, donc ça se voit dans sa posture et dans le fait que il est supérieur aux autres, quoi, clairement. Oui, voilà. Voilà. Il se prend pas pour une merde, mais bon, ça se fait pas trop. Enfin voilà, c'était tout pour cette partie de la journée. Je ne sais plus ce que t'as fait toi, Joseph, de ton côté à ce moment-là. Ouais. Joseph. Ah non, ah, oui, non. Excusez-moi, non, c'est pour ceux qui ont la référence. Hein. Joseph. Oui, excusez-moi, vous disiez. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoute, moi je suis descendu après avoir observé ce qui se passait sur le pont, effectivement, avec Léonard. Je suis descendu effectivement parler également avec le maître canonnier. Je lui ai posé des questions sur les boulets de canon, sur comment ça se passait, que je m'intéressais un petit peu aux armes à feu et à l'armement. Donc pendant qu'eux ils étaient en train de vérifier l'état des gueules, c'est ça. Et d'entreposer l'équipement nécessaire sur bataille. C'est ça. Sachant que détail intéressant, le maître canonnier n'était pas capable de répondre à ta question sur la portée des canons. Mais si, il était capable, c'est qu'il disait qu'un néophyte comme moi, c'était pas très intéressant de m'instruire, mais bon, il apprendra avec le temps. Pas de soucis. Voilà. Que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Ah, ensuite, donc, Com a fait ses trucs qu'il va faire là, du coup, pour rattraper. Hein, parce que toi aussi, du coup, il s'est passé des trucs de ton côté, t'étais isolé. Voilà. Après, Emilio, lui, il continuait de... Ouais, Emilio, dans le pont, il avait confié... Enfin, il avait ordonné à son chien de rester avec... d'autres animaux à l'intérieur dans l'entrepont pour les garder. Oui, c'est vrai qu'il y avait le chien. C'est vrai. Oui. Donc il était là, assis à regarder les bêtes comme on lui avait demandé. Oui, voilà. Et après ça, après donc à la fin de la journée, nous sommes arrivés au dîner qui était à l'entrepont où des tables sont entreposées. Et il y a donc deux parties, les gens normaux qui d'initie avec tout le monde et les gens supérieurs dont Joseph, hein, il faut le préciser. Je n'ai rien demandé. Ouais mais t'es noble donc le carré VIP. Je vous ramène une assiette de petits fours si vous voulez. On dit pas non. Ça serait cool. On va faire des jaloux après. Voilà, moi j'ai discuté un petit peu avec Mio. On a appris l'information très importante que son épagnol s'appelait Épagnol. Oui. Oui, c'est vrai. C'est bon, King. Voilà. Enfin, du coup. Il n'a pas dit combien de temps il avait mis à trouver le nom. Ça, c'est vrai. Mais je ne lui trouvais pas le nom, je l'ai dit. C'est le curé qui m'a dit que c'était un espagnol. Oui, c'est vrai. L'espagnol. Voilà. Bah, écoute, voilà, je crois que c'était tout. Donc, je propose maintenant que Mana fasse
ce qu'il avait à faire. On va rebobiner pour qu'il puisse jouer. Oui. Alors. Faut que je monte le son. Et chanter, du coup, prépare-toi. Donc, alors, je repositionne. Ouais. Je repositionnais un peu les gens qui étaient en haut, rapidement, hop. Ça. Bah. Toi, t'es. Hop. Avec. Joseph. Oh non. Oh non. Voilà, Joseph. Léonard. T'as vu, il s'est déplacé tout seul. C'est long, c'est long. Désolé. Tu peux pas faire des carrés de sélection comme avant, c'est pas... Hop, voilà. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, ils bougent en permanence. Ils sont chiants, hein. Ils restent jamais en place. Ça me rappelle les soirées. Hop. Voilà, donc toi, t'étais... t'étais là, tu faisais... Hop. T'étais donc monté à bord avec les autres. Et c'était le moment où les matelots commençaient à prendre en main les boots et faire les manœuvres. Pendant que les gars habillés montaient dans les haubans pour ouvrir la voilure. Toi, tu as vu que... Eric, qui est le canvisier, était descendu plus bas. Et il est parti sans trop te prévenir. Donc, apparemment, enfin, voilà, tu es un peu libre de tes mouvements pour le moment. Là, t'es sur le pont supérieur avec, je le sais. Il est descendu ouais, au faux pont. Okay. C'est bien le moustachu, hein, c'est ça dans les souvenirs. C'est, Lui est là. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bah, si j'ai pas d'ordre précis, du coup. Donc je suis avec Léonard et Joseph, du coup, là. Ouais. Ok. Ah, messieurs, c'est une sacrée aventure qui nous attend. Un long voyage, sans doute. Disons que si on peut éviter trop d'aventures, ce serait une bonne chose. Je hoche la tête. Oui, je préfère un voyage calme. Je comprends, mieux vaut une grande aventure que de petites aventures. Écoutez, j'ai l'impression que nous avons un peu quartier libre en ce moment. Je souhaiterais aller voir Monsieur Mojmer. Écoutez, je vous en prie, faites. Oui, écoutez, faites. Moi, je ne vais pas tarder à aller chercher... à aller trouver ma cabine de mon côté pour voir où je vais loger. Ah oui, il faut que je m'inquiète de cela. On est vrai. Il est vrai. J'irai... J'irai vous rejoindre plus tard. Donc toi, Léonard, t'étais parti ici, le Seria, et t'es descendu pour remonter. Ouais, c'est ça, je suis descendu. Toi, t'étais resté pour regarder l'homme à l'œuvre, les hommes c'est ça. Matelots. Et donc, toi, tu vas rejoindre les trois au niveau de la barre. Mince. Bah, j'y vais pas franco, je sais plus, je jette une tête, voir ce qu'ils font, si je suis censé me trouver là, quoi, parce que... Bah, justement, en parlant de ça, tu vois que... Hop. Tu vois, en t'approchant, que c'est très calme. Bastien tient la barre. C'est le rôle de pilote. De piloter, bah de tenir la barre pendant la sortie de la baie, parce que c'est eux qui savent gérer le mieux les récifs côtiers, qui sont très dangereux quand même.
Voilà. C'est... Lui, il est très concentré. D'ailleurs, ça... ça t'étonne un peu, ça change de son comportement plutôt quand vous l'aviez rencontré. Ouais. Là, tu... Sans dire que ça a l'air d'être un autre homme, tu sens que il est pas dans le même état d'esprit. Donc voilà. À côté de lui, t'as le quartier maître qui regarde, qui s'y est prêt à quartier maître ici, qui s'appelle Silas, qui s'y est prêt aux demandes du pilote parce que. C'est lui qui dirige la barre en haute mer. Il s'y connaît bien aussi, mais et du coup, il est capable de rendre service. Et le capitaine, lui, il est, Lucien, il fait plus acte de présence qu'autre chose. Tu le vois pas trop s'intéresser à ce que fait Mojmer. Au contraire, il est plutôt à regarder les hommes. Les maîtres d'équipage ordonnaient les manœuvres aux matelots et voilà il est pas enfin il est présent mais pas pour ce qui est du pilotage tu vois. Bah je la regarde peu quoi une dizaine de minutes et puis je vais passer à autre chose. Je vais attendre qu'il soit un peu plus seul moi je meurs pour lui parler. Donc okay. Du coup, je me dirige plutôt. Enfin, je cherche le coq. Le coq oui. Ok. Ouais. Toi, tu sais pas du tout à quoi ça ressemble un bateau. Tu sais pas. Enfin, tu sais pas comment ça s'agence. Donc, comment tu t'y prends tu... Bah, tu vas. Je sais pas. Je peux tenter un test d'orientation. Y a pas un truc. Non, mais enfin, tu déplaces ton token comme tu veux. Hein, si tu... Ouais, enfin, je fais un peu le tour, quoi. Enfin, je passe par exemple. Tu veux me faire la connaissance des navires sur érudition bah... Sur perception, tiens, je rigole. Perception, vas-y. C'est un des. T'as 0, donc c'est un des 12 que tu dois lancer. Attends, c'est où connaissance des. C'est connaissance. Ah oui. Lance-moi un des 12. Ah oui, ça va être. Oui. Et regarde combien t'as en perception. Ok, donc commence par un petit jet critique. J'ai 4 en perception. Ouais, enfin là ça compte pas trop en fait. Même si t'avais dit. Un 10 c'est pas possible, mais 9. C'était. T'es là à regarder. T'es en train de te demander où est le coq, mais en même temps tu regardes un peu en l'air, tu dis oh, est-ce que ça peut être et enfin bon. Je me retrouve sur la vigie, tu sais, tout là-haut, mais je comprends pas. Non, tu montes pas sur les auvents. Et tu dis je sais pas, y a peut-être y a plein d'escaliers, on va essayer. Non mais oui, j'essaye. Ah bien. Puis attends, laisse-moi une seconde. En fait, bon, enfin, t'es là, tu descends les escaliers, t'essayes de trouver où tu vas. Bon, au bout d'un moment, tu regardes, tu vois, tu te baisses pour regarder ce qu'il y a à l'étage en dessous. Et tu vois plus, tu regardes plus tes pas et tu te rétames lamentablement par terre. En fait. Juste à côté du maître canonnier qui était là en train de regarder, donc il entend un gros boom à côté de lui. Il voit qu'il se retourne d'un coup ouais. tu entends un léger rire et tu te relèves un peu tant bien que mal. Je mets poussette. Ça fait mal derrière. Je mets poussette et je dis ah, ils ont trop ciré aujourd'hui. Ça a l'air de... tu vois. C'est pas ma faute. Ils ont trop bien fait leur boulot, bravo. Sacré matelot. Tu vois, il te répond en disant
Ouais, c'est bien dangereux par ici. Il faudrait faut faire attention. Nos hommes sont forts au travail. Quand ils font quelque chose, ils le font sérieusement. Faites attention à vous quand même. Ah oui, merci de l'avertissement. Faites attention à vous-même aussi. C'est très glissant par ici. Que faites-vous ici? Vous cherchez quelque chose? Ah oui, je cherche le coq. D'accord. Ben, vous pourrez le trouver. Vous pourrez le trouver à l'avant du bateau. Continuez plus loin, il sera à la coquerie. Bah, j'écoute ses conseils. Donc, Évitez de chuter à cause d'un boulet. Faites attention. Il y en a beaucoup par ici. Je n'y manquerai pas. Merci, cher ami. Vous lui retournez à parler avec ses hommes. Et toi, tu avances. Du coup, tu regardes à chaque pas presque. Oui, je regarde mes pieds. Oui. Bon, une fois, c'est bien, mais deux... Point trop d'en fous. Donc tu vois le coq qui est en train de nettoyer le four et compagnie, qui il a à côté de lui un petit tas de bois que tu comprends qu'il est destiné au four quoi pour chauffer le plat et il te tourne le dos donc il t'a pas remarqué en arrivant. Je vais m'accouder à un mur ou peut-être à une poutre. J'attends qu'il me regarde ou qu'il tourne la tête. Ok. Bah, je veux pas le déranger en fait. Ok. Alors... Si vraiment il me voit pas et que ça met du temps, je tousse. Hein, je... enfin, je... Ok, bah. Il finit par se retourner et. Oui, mon frère, que puis-je pour vous? Tu fais un grand sourire. Ah, mais c'est moi, ouais. C'est moi qui peux faire quelque chose pour vous, peut-être. Ah bien. Eh bien, dites. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous avez besoin de marchandises? Est-ce que vous avez besoin de nourriture? Peut-être d'autres choses? Bien, oui. Il est toujours... Il est toujours important d'avoir accès à la nourriture quand on est coq, sinon les différents hommes se remonteraient contre moi, ça serait pas joli à voir. Et dites-moi, quel est votre nom? Nous ne sommes pas encore présentés. Je suis frère Jean-Baptiste. Je lui tends ma main, comme Faucigny. Aide Cambusier. Right. Je serre la main. Et très bien. Avez-vous déjà fait la campus avant? Je détourne un peu la conversation. Mais quel est le menu de ce soir, mon cher ami? Je jette un peu un coup d'œil sur son, peut-être sa table ou je sais pas sur. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que la nourriture elle est en bas. Ouais, mais c'est pas grave. Je regarde ce qu'il fait. Mais, je fais le tour pendant que je lui parle. Je détourne la conversation. Eh bien, j'essaye de suivre les conseils de frère Pierrick. Vous savez, je c'est ma première fois aussi à bord. J'ai proposé d'être coq, mais ce n'est parce que c'est la seule chose que je pouvais apporter à l'équipage. Pour ce qui est du repas, j'ai cru comprendre qu'il y aurait de la viande. Et des légumes frais. Vous pourrez en profiter tant que nous en avons à bord. Et nos maîtres ont quelque chose en plus? Quelque chose de spécial ou... Oui, moi je ne m'occupe pas du repas des matelots, mais le capitaine a son
à son carré et ses valets pour s'occuper de son repas. Moi, je ne fais que nourrir l'équipage. Vous savez, je pourrais vous être utile si quelqu'un s'en... À quoi donc ? Ah bah, vous savez, une émeute peut vite éclater à cause de... d'un manque de sel, oh là, d'un manque de poivre. Vous êtes bien pessimiste. Non, mais le voyage va être long. Mais, je connais la nature des hommes. Le premier à qui ils vont blâmer leurs idées noires, ce sera peut-être vous. Vous savez, en tant qu'homme, deux fois, je suis capable de... Ils sont capables de venir se confesser à moi. Il n'y a aucune honte. Oui, mais le mieux est peut-être que cela n'arrive pas du tout, ne croyez-vous pas ? Mais que nous voyageons paisiblement. Vous savez, l'homme est un être rempli de défauts et il faut savoir se purifier et se faire pardonner en permanence. Non, mais si quelqu'un se plaint, envoyez-le vers moi, je saurais apaiser ses craintes. Ne vous inquiétez pas. Mais comment vous y prenez-vous Connaissez-vous l'équipage ? Mais tout à fait. Savez-vous, avant de venir ici, j'étais un acteur de théâtre. Je pourrais peut-être jouer... Oh, vous savez, je n'ai pas vraiment l'occasion d'aller au théâtre. Je ne connais pas vraiment cette activité. Oh, mais je... Mais quel est le rapport avec cela ? Oh, vous savez, un peu de distraction haute que de la nourriture peut calmer le cœur des hommes. J'aimerais autant qu'ils ne s'en prennent pas à notre coq. Après tout, je ne sais pas si quelqu'un pourrait vous remplacer. Ah, il ne s'en prendrait jamais à un homme d'église, quand même. Vous savez, mon... Sinon, vous savez, mon frère... Sinon, ce qui leur attendrait est bien pire que... Vous savez, mon frère, je ne mets pas en doute votre foi, mais... Un homme aviné n'a pas le regard tout à fait clair. Ni l'âme tout à fait pure. Très bien. Faites-moi confiance pour vous protéger, mon frère. Et si je peux vous aider en quoi que ce soit, faites appel à moi. Tu vois quand même en mode... Bah, il est un peu étonné de ce que tu lui dis, parce que t'insistes bien en plus. Et là, très bien. Si je peux faire un jet de persuasion ou quoi, hein, s'il faut... Bah vas-y, fais-moi ça. Alors, persuasion ou autre chose ? Ouais. Ok, persuasion. Sur quelques... Sur quoi comme carré ? Sur carré... En fait, c'est... Ouais, tu le mets en confiance de par tes mots, donc sur expression. Sur expression... Ah, ça bug encore. Ouais, on a toujours les bugs. Hein. C'est pas grave, je le fais. Ou je fais là. Alors. Ouais. Alors, ça te fait, du coup. Ah, c'est rigolo, je vois tes dés, mais ils sont tout noirs. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc, ça te fait 4 succès. Donc, il est là. Attends, je coche pour l'XP. Attends. Ah, oui, tu peux. Yep. En effet. Je me rajoute un point, c'est ça ? Non, tu coches juste. Ah, je coche, ok. C'est bon. Bah, il est là, très bien, vous le dites, et puis je vous le dirai si jamais il y a un problème. Et d'ailleurs, votre proposition, je pense, sera intéressante pour l'équipage. Comme vous dites, le voyage sera long peut-être que vos talents d'amuseur pourraient justement égayer cette traversée. Vous devriez en faire part à quelqu'un pour peut-être organiser cela. Oui, bah, j'irai voir. Euh,
Je vais voir les hauts placés. C'est une bonne idée, vous, en effet. Ah, et... mon frère, si à l'avenir vous pouviez me garder un petit peu de râpe de nourriture, je vous en saurais gré. Qu'entendez-vous par là? Ah, si vous pouvez faire une exception pour moi, je saurais vous rendre l'appareil. C'est-à-dire que je ne peux pas, ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre. Allons, je suis Ed Cambusier, ne vous inquiétez pas. Personne ne le saura. C'est moi qui gère les stocks, après tout. Je lui fais pas un clin d'œil, mais bon, c'est limite. Quoi. Tu vas me refaire un jet de persuasion. Pousse pas trop ta chance. Toujours sur expression. Oui. Je fais la macro ou je fais le jet parce que je... Fais-moi un jet à la main. C'est juste 3d10. Ouais. Ah, je peux faire la macro avec la difficulté. Hein, si... Mince. Hop. Take. Ok. Encore un point d'XP. Non. C'est pas par session. Bien, il est là. Tu vois se recueillir sur lui-même, tu vois, il serre les mains, il fait plus de bruit. Enfin, si en fait tu l'entends marmonner, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et écoutez, de toute manière, vous êtes à la Cambus. Et je ferai comme vous souhaiterez. Comme vous dites, c'est la Canvas qui gère les provisions, donc cela, nous pourrons peut-être nous mettre d'accord cela. Eh bien, c'est entendu alors. Tu vois quand même qu'il est qu'il tremblote un peu, il est pas à l'aise, mais... Bah écoutez, si cela vous dérange, je pourrais... Est-ce que vous faites peut-être des... Je ne sais pas, enfin... Peut-être la messe... ou l'aumône, peut-être sur le navire, écoutez. Je pourrais assister à vos sessions, si cela vous dérange, et amener quelques-uns de nos compagnons. Vous savez, le capitaine est le seul maître à bord. Cela, nous n'en avons pas encore discuté. Je m'acquitterai de mon devoir de prêtre s'il est d'accord. En tant que capitaine, c'est lui qui détient cette décision. Très bien. Écoutez, j'essaierai de faire en sorte que vous pouviez que vous fassiez l'aumône sur le navire. Après tout, un homme de foi tel que vous ne devrait pas être réduit à simplement faire la cuisine. Ce n'est que le temps du trajet. Une fois arrivé en Nouvelle-France, je pourrais partir. Propager les bonnes paroles de Jésus aux autochtones. Ah, j'entends bien, mais il ne faut pas perdre la main, mon frère. Je ne fais pas un clin d'œil, mais comme si, quoi. Si vous le dites. Bien, je vais finir de préparer le matériel pour... Oui, je ne vous dérange pas plus longtemps. Pas ce soir. Merci encore, mon frère. Bonne journée à vous.
Puis je pars en sifflotant un petit peu. À toi, pardon. Tu tutoies. Très bien. Bah, je pars. Je vais voir si le Cambusier a peut-être besoin d'aide ou si je peux peut-être moins inspecter les provisions moi-même. Ok. Enfin, je me dis, si je traîne trop loin de mon poste, ça va savoir, quoi. Donc, je vais essayer de trouver le Cambusier, quoi. Ok. Voilà. Tu demandes à Jean-Baptiste, peut-être. Ça trouve. Mon frère, savez-vous où est la Cambuse? Je ne saisis pas encore trop bien la disposition du navire. Je n'ai passé que peu de temps en dessous, mais la Cambus, tu la trouveras en descendant. Ah, merci mon frère. Je pense que le Cambus s'y trouve déjà. Et je suis ses indications. Du coup, tu descends à cet escalier. Voilà. Et tu descends du coup à la piste là. Hop. Bah, on va peut-être passer aux autres. Enfin, Non, mais continue. Hein, non, mais bon, j'ai pas envie. Bah, oui, non. Parce que nous, on a joué ici pour une affront que t'es bah, pas. C'est ça. Après ça, on passera autre chose. Mais... Oui, voilà, après on switchera sur le dîner. Mais... Ouais, ok. Donc, t'arrives. T'as Pierrick qui était en train de sortir son matériel, tu vois, un marteau, des clous, ça pour. Qui garde sur lui au cas où il ait besoin de. Bah. Faire des choses en dessous, tu sais pas trop vu que tu connais pas le boulot. Bah j'arrive, pas forcément juste devant lui, mais j'arrive à côté de lui, je tape à une poutre ou à un mur. S'il a besoin d'aide. Ah, fascinant. Il va falloir descendre en dessous et vérifier que tout est bien en ordre. Et que tout est bien étanche aussi. C'est bien, je vois que tu as retenu la leçon. Ah, toujours. C'est quelque chose d'important. En mer, il faut veiller à ce que la cargaison ne pourrisse pas et c'est une surveillance constante. On se rend bien occupé. Oui, écoutez, je vais m'assurer que la nourriture n'ait pas trop d'humidité. Je vous laisse. En fait, j'allais descendre moi aussi, donc. Oui. On va y aller ensemble. Ah, très bien, très bien. Faut-il des plaques pour annoter certains conteneurs? Il te met en évidence un carnet qu'il avait où il tient ses comptes, où il renseigne. Tu l'avais déjà vu. À l'embarquement, parce que c'était là où il avait justement tenu et compte des provisions. Il avait tout renseigné. Donc, s'il y a... s'il y a quelque chose de pourri en bas, il faudra le noter là-dessus, comme ça, au moins, pour en savoir ce qu'il nous reste. Et une fois qu'il faudra se réapprovisionner aux îles Canaries, nous ne nous tromperons pas, du coup. Bien, viens, je vais te montrer, t'es pas encore descendu. Enfin, non, t'es pas encore descendu. Non. Donc, vous allez par l'escalier qui est là, là. Vous descendez, et vous arrivez dans ce pont. Alors, comme je disais aux autres, en fait, l'entrepont, il est il est pas suffisamment haut pour que tu tiennes normalement debout, tu vois, tu te penches un peu. Et c'est toujours le cas en fait, plus il descend, presque c'est presque plus étriqué à mesure. Mais bon, tu peux, t'es quand même, tu n'es pas à quatre pattes. Oui, quand même, oui. En termes de hauteur, t'es quand même à l'aise. Enfin, moyennement à l'aise.
Il te dit bien donc on va faire le tour et la chose la plus importante à vérifier c'est que tout soit bien en place. Il faudrait pas que les tonneaux se baladent, sinon ça pourrait causer non seulement la perte de nourriture ou d'autres choses, et plus grave, ça pourrait endommager le navire. Est-ce que vous avez un espace spécifique pour la poudre ? Parce que je rappelle que quand même, vous transportez dans laquelle il y a deux grosses pièces, enfin, deux gros canons de batterie côtière. Avec des boulets et aussi de la poudre. Donc, ça fait quand même des choses pèses. Je lui demande s'ils ont un espace spécifique pour la poudre ou si tout est mélangé en fait. On essaye de pas se perdre. On a mis la poudre plus en avant. Puis la nourriture derrière, parce que c'est là qu'on va servir le plus souvent à l'arrière, vu que l'escalier s'y trouve. Voilà, pour éviter les allées-venues inutiles. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais, après notre escale aux îles Canaries, renforcer le côté de la poudre, où se situe la poudre. Le renforcer ? Ah, vous savez, deux protections valent mieux qu'une. J'ai appris cela de la marine marchande. Eh bien, nous pourrions faire une espèce de... Enfin, mettre des cales de bois pour faire une espèce de barrière. Pour éviter que les... Voilà. Qu'en cas pour de forte tempête... Pour qui m'as-tu pris bien sûr, tout a été installé déjà. Il faut juste vérifier que c'est simplement bien positionné. Sinon, en effet, ça pourrait être problématique. Ah oui. Mais bon, si tu as envie, tu pourras t'adresser au maître charpentier. Il te donnera des pièces qu'il n'utilise pas pour caler davantage, si ça te fait plaisir. Oui, j'aimerais bien m'y atteler le plus tôt possible. Soit. Premièrement, faisons ce qui est important. Oui, faisons notre inspection. Donc. Vous baladez dans la cale. Apparemment, le chargement il a été fait correctement. Il n'y a vraiment pas de gros soucis majeurs. Par moment, vous essayez de bien aligner ce qui n'est pas, mais c'est pas quelque chose qui de grave quoi. Donc en fait, bah voilà, il se passe pas grand chose au final dans la cale. Le travail était bien fait en effet. Comme avait dit Maître Canonier, les hommes savent faire leur travail. Et donc je dois aller livrer le coq, il me semble. J'ai parlé un petit peu avec lui, je crois qu'il recherche de la viande et des légumes. Oui, le coq viendra, si tu veux l'accompagner, il viendra chercher ce dont il a besoin ici. Ah, je peux aller livrer si vous n'avez plus besoin de moi. Écoute, je pense que c'est quand même un peu tôt pour te dire, te donner des choses à faire comme ça. Donc, je préfère être présent tant que je ne suis pas sûr que tu comprennes réellement l'importance de ton travail. Et puis, bon, la nourriture, je sais ce que c'est. Ma première fois en mer, hein. Les hommes, quand ils en ont trop peu, ils savent, ils ont envie de se servir. Donc, il faut faire attention. Très bien, c'est vous le chef. Mais si tu me prouves que t'es responsabilisé, je t'en donnerai des responsabilités si c'est ça que tu veux. C'est absolument ce que je veux.
Bien, bien. Il va falloir le prouver et le mériter. Mais tout à fait. Bon, écoute, si on est bon pour l'instant, le coq viendra servir un petit peu plus tard et on est encore un peu tôt dans la journée pour le retour. Je laisse remonter si tu le souhaites. Ah, très bien, merci. Je remonte. Ok. Je vais aller préparer ma couche. Ok. Alors. Donc, lui, toi, tu remontes, il suit derrière par l'escalier et tu vous retrouvez dans un camp et tu peux remonter en haut. Que t'es dans l'entrepont. Tu sais pas ce que où est ta couche. Tu peux voir qu'il y a pas mal de. Il y a plusieurs comment dire, poutres verticales qui soutiennent les ponts. Et avec des gros. Des crochets en fait. À chaque poutre, comme ça. Des crochets à chaque poutre ? Ouais. Ok. Bah, je vais remonter. Ok. Bah, tu remontes. Bah, du coup, si je trouve pas tout de suite là où on dort, je vais chercher les autres. Du coup, je cherche Milio, Joseph okay. ou Léonard, ou les trois à la fois. Ok. Bah, là, on commence à être en fin de journée. Milio, lui, est toujours en manœuvre. Ça n'a pas cessé parce que vous venez. Enfin, ça. Vous avez dit, ça vous a pris peut-être 2 heures pour sortir. Ça vous a peut-être pris 2 heures pour sortir de la baie. Parce que, comme j'avais mentionné, c'est un endroit dangereux. Donc, la voilure n'a pas été. La voilure est très réduite. Donc, votre vitesse aussi. Et puis Joseph et Léonard, bah, qu'est-ce que vous faisiez avant le repas si vous... Avant le repas, rien de particulier. Ouais, non. Même pas. Ok, même bah pas tu les vois traîner. Jouer avec mon chien. Oui, tu as vu le chien d'Emilio. D'Emilio, pardon. Vu qu'on est passager, pour l'instant, on veut pas trop forcément traîner partout, quoi. Ouais, c'est ça, oui. C'est un peu le... Voilà. Tu peux pas voir le chien et les vaches. Voilà. Moi, je les ai déjà vus. J'étais entre ponts pour voir monsieur. Mm-hmm. C'est pas mon chien, c'est ça. Mais si. Ah ouais, du coup, hein, moi, je m'occupe des manœuvres jusqu'au moment du repas. Ok. Bah tout. Alors, comme je disais... Alors... Comme je disais la dernière fois, les hommes, ils chantent toujours, hein, pendant la manœuvre. C'est, comme j'ai expliqué aux autres, c'est pour... C'est pour aider à la manœuvre, pour rythmer le geste et ne pas perdre le rythme, toujours être efficace et être plus heureux, entre guillemets, à faire le travail. En même temps, bon, tout le monde ne chante pas forcément et t'as certains qui parlent entre eux, qui te disent qui travaillent en coopération. Et toi, tu t'entends quelques bribes de mots que tu comprends pas forcément. Shit. Parce que c'est une langue que tu comprends pas. Tu saurais pas dire, t'as l'impression qu'il y en a deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu comprends pas. Ah, du shit et du shit. Ah non, pardon, non, c'est Milio. Ah, j'ai oublié, pardon. Non, Milio, toi tu entends. Oui, je suis parti sur com, désolé. Oui, toi en fait, Tu comprends les mots en fait. Et c'est... Ah, je comprends. Ouais. Certains plus que d'autres.
Et en tout cas, tu sais que t'as un certain qui parle en breton et d'autres en gallo. Mais voilà, c'est... Tout le monde à bord n'est pas... Enfin, comment dire... Beaucoup de gens de l'équipage et de la région dont vous avez embarqué. Ah, quelques-uns qui sont arrivés d'autres, d'autres navires qui ont accosté à Saint-Malo. Mais la plupart sont des gens du coin, mais c'est pas forcément le cas des officiers qui, eux, parlent français. Donc, c'est-à-dire que la langue principale, c'est le français, mais tout le monde ne parle pas forcément très bien et revient à sa langue natale, donc soit le breton, soit le gallo. Quand il n'y a pas besoin de s'adresser à un officier. Oui, of course. Donc, j'avais dit la dernière fois, les hommes manœuvrent bien. Après, t'en as quelques-uns qui, dès le départ, ils commencent à... Enfin, ils sont moins motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ils commencent à avoir quelques ordres un peu énervés qui fusent et compagnie. Ça que... Mais bon, rien de grave pour l'instant. Après qu'est-ce tout, que ça va être au bout c'est, de pas de c'est pas de l'insubordination, mais voilà, il traîne un peu. Heureusement, Mio n'est pas comme ça. Le seigneur. Ah bah, je sais pas, ça se trouve, il tire au flanc, Mio. Non. Ah ouais ? Au contraire. Mio, il fait tout ce qu'il peut. D'ailleurs, tu vas me faire un jet ? Ouais. Vas-y. Tu vas me faire un jet de pratique nautique. C'est ça. Sur 2 secondes. Ah non. Il faut que je retrouve vite. C'est pas athlétisme. Seconde. Là. Vite, Mio se noie. Je l'ai, j'arrive. C'est con pour un marin de pas savoir nager. Connaissance pratique nautique sur adresse. Ouais. Sur adresse. Ouais, tu vas tomber pas dessus bord, fais gaffe. Holy shit, mais c'est pas mon fort. Oh, je soigne pas les noyades en plus, alors des mots. C'est Mio son nom. Ok, t'as fait 2 succès du coup. Oui. Incroyable. C'est ça le plus ouf. En effet, c'est pas ton fort et on l'a déjà souligné plusieurs fois. C'est quand même différent de ce que tu fais d'habitude sur les plus petits navires. Et mais bon, ton matelot qui est à côté de toi, je crois que j'ai mis le. Il t'aiguille bien. Il prend le temps de s'adapter à ton rythme, tout ça. Donc il t'aide à être bien à manœuvrer et tu t'en sors bien. Je suis pas mécontent de moi. En effet, t'en as d'autres à côté qui sont un peu moins efficaces malgré qu'ils soient un petit peu plus âgés que toi. Donc, ça, ils remarquent et bon, ils te sortent. Toi tu sais y faire, mon gars. Je suis né sur un bateau. Ah bah ça, quand on commence tôt, forcément c'est plus facile. Ah bah ouais. Bon après, un peu de travail quand même. Hein. Ah évidemment. Mais tu sais, comment dire, un marin s'il a pas commencé avant 15 ans, il est bon à rien. Mais toi t'as de la graine. Ah j'ai commencé avant 15 ans, ça c'est sûr. Je rigole. C'est bien. J'ai aidé mon père. T'as Vincent à côté qui rigole. Vincent qui était, si vous vous rappelez, qui était parti avec vous à la recherche de Mojmer. Ah oui, oui, qui, oui. Qui rigole, qui est content de voir qu'il y a quand même de la bonne ambiance et voilà, lui. Il est sérieux aussi, donc traîne pas pour autant.
Alors, donc, ensuite, donc, la journée se passe, le repas est annoncé, donc... Ouais. Il y a une partie de l'équipage donc, qui descend et qui se retrouve dans l'autre pont. Tout le monde ne mange pas en même temps, parce que sinon, ça... il faut quand même des gens qui restent en haut pour dire ce qu'il faut faire. Il y a deux services. Iceberg. Ouais, pour éviter ce genre de choses. Dans le Pacifique, ça. Ah, c'est-à-dire, ou alors, tu sais, genre, c'est festif, on mange, on rigole, on boit, et puis on remonte, et puis là, sur le pont, t'as tous les Anglais qui nous attendent. C'est comme déjà ça. Sur le pont, c'est ça. Avec la table. En train de boire un thé. Carrément, la table. Et toi, ça dit, at this moment, Jackson New. Hello, ladies. Ouais, cool, il y a... Enfin, la vie, elle est partagée en deux. À l'embarquement, j'avais dit que Mio, il faisait partie des bâbordais, mm-hmm. de la bordée de bâbord. Donc, en fait, les bordées, celles de Tribord de bâbord, se relayent pendant l'écart pour faire les manœuvres, parce que c'est très épuisant. D'ailleurs, toi, ça fait un peu... Je suis épuisé, il a regardé. Non, ouais. Si tu le dis. Oh, c'est la Mais Emilio, tu as beau avoir quand même quelques années d'expérience, tu sens que ça commence à... T'as les mains... Les mains commencent à fatiguer et t'as plus en plus de cornes qui se forment à mesure que tu pars en mer. Ça se durcit dans la paume. Ouais. T'as des petites coupures, des choses comme ça, quoi. Je trouve pas très agréable, mais bon, c'est comme ça, c'est lié au métier. Et ouais, bah justement, c'est pour permettre aux hommes de se reposer et de penser à autre chose qu'on alterne entre les deux bordées comme ça. Bah, le fait que le matelot de Fanche, le matelot de Millau, il est parti des tribordais, mais il est là parce que on vient de partir, quoi. Il est pas épuisé, et puis ça lui permet d'assister son matelot qui est moins expérimenté. Donc. C'est pour ça qu'il se trouve là lui aussi. Donc, du coup, c'est à bâbord ou à tribord? Qu'on change plus fort. Ouais. Qu'on gueule. Qu'on change fort, quoi. C'est à bâbord. De port, j'ai pas compris le dernier mot. Quoi, Roquefort? Qu'on gueule, ouais. Les plus forts. Aliénor, non. Aliénor. Nordor. La Quitaine. Elle est à bâbord ou à tribord? Ah, c'est plutôt bâbord, mais... On mange ? Oui. Et oui, on mange. On mange. Le repas d'un marin est le meilleur. Bon, je vais pas redéplacer tout le monde, mais. Je vais pas redéplacer tout le monde, mais bon. Donc, comme j'avais dit, comme j'avais décrit aux autres, t'es à table avec Milio, avec tout le monde, tous les PJ, et tu vois que. Il n'y a pas tout le monde à table, t'en as certains qui sont restés en haut, et puis tu vois surtout aussi que les officiers ils sont pas avec vous, ils sont partis à l'arrière. Et non, pardon, le seul PJ que tu ne vois pas du coup, c'est Joseph qui les a accompagnés. Joseph. Coucou. Ok, mais du coup ça se passe comment le service? On va chercher sa gamelle ou... Bah t'as déjà installé les tables entre les canons et en fait chaque... Enfin, il y a plus ou moins des petits groupes dans chaque bordée, tout ça. Je vais faire plus simple. En fait, t'as une table avec plusieurs personnes et t'as un chef de table, entre guillemets, enfin, je ne me rappelle pas le nom officiel, mais t'as quelqu'un qui gère son carré, le chef de carré, enfin bref, et qui va chercher la nourriture pour les autres. Il y a une dame de la cantine, quoi. C'est ça. Celui qui va chercher l'eau de la cantine tout le temps. Là. C'est ça. Il va... le plus petit chiffre sur son verre. Il prend un petit seau avec lui. Et puis il va à la coquerie chercher à manger. Il ramène et puis tout le monde se sert dans le seau. Ouais, ok. Est-ce que je peux être ce chef de carré? Ou pas du tout? Non. Une bonne blanquette dans un seau. Elle telle.
Bon, écoute. Bah, je me prends. Je vais faire. Je sens que ça perturbe ton scénario, ce petit détail. Ouais, ouais, vraiment, là, on est sur un moment clé, là, je sais pas quoi faire. C'est censé être l'assassin. Là, t'es censé mourir, en fait, si tu bouges, c'est mort. Bah oui, c'est lui qui met le poison dans notre repas. Bah oui. Et on se retrouve avec des esclaves aux Caraïbes. Ah, et du coup, c'est toi qui mets notre poison dans notre repas. En fait, toi, c'est un peu différent parce que t'es à part avec tous les voyageurs, enfin les passagers, pardon. Donc t'es entouré de Léonard, de Léonard. C'est le seul voyageur du coup. Léonard. Parce qu'il y a pas Joseph. Non, en fait, tu t'es entouré de Léonard et de personnes que tu as pas encore rencontrées. Tu les as aperçues, mais tu sais pas qui c'est. Qui sont des passagers aussi. Bah, je sais. Enfin, ouais. Si Milio peut nous rejoindre ou si on peut se mettre à côté de lui. Enfin, on essaye de se regrouper. Bah, Milio, tu vois que comme te fait signe, t'étais parti pour t'asseoir avec ton matelot à ton carré. Prends ton matelot, prends ton husbando. Sad. Okay. Hein, pardon. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. T'es pas là, pardon. Quand vous m'appelez pour manger ? Oui. Bah, je disais que t'étais parti pour t'asseoir à ton carré avec ton matelot, mais tu vois Com qui te fait signe qui est plus loin avec Léonard. Ah oh bah, je fais baïa. Ce monsieur qui me fait signe, on mange avec lui. Je l'ai rencontré, il est sympa. Le monsieur est rigolo. Il fait. Bah, pourquoi pas. Après, tu sais, le carré, ça sert aussi à parler avec les autres matelots, ça permet de connaissance, tout ça. Ouais. Ouais, okay, écoute, si tu veux, on peut y aller pour ce soir. Très bien. Je m'installe, hein. Ok. Monsieur ? Ah, monsieur Milio. Vous vous rappelez de moi ? Oui. Je vous ai vu, oui. Ah. Alors, vous faites bon voyage ? Oh, tout à fait, tout à fait. Je suis Ed Cambusier. Je suis Ed Cambusier sur le Saint-Michel. Parfait. Ça tombe bien, c'est le bateau. Oui. Vous êtes sur le bon bateau. Ah merde, je crois que j'étais sur le dégré. Oh merde, ouais. J'ai trompé de... Ah bah moi je me suis pas trompé de bateau non plus, hein. Ça va, Milio, la journée n'a pas été trop dure, trop rude. Non, ça va. C'est vrai que c'est plus physique que le petit bateau de pêche, hein. Vous cacherez pas que pour rien que pour hisser une voile, c'est pas pareil, hein. Ouais, en effet, t'en as pas hissé beaucoup, donc. Ouais. Ah. Oh. De toute façon, je pense que tu te débrouilles bien. Je regarde un petit peu ton... Je tourne la tête vers ton matelot. Voir s'il approuve, en fait. Quand je dis ça. Avec un petit sourire. Il te regarde. Tu le regardes juste, c'est ça ? Enfin, je tourne... Quand je dis je suis sûr que tu te déroules bien, Mio, tourne la tête vers le matelot. Oui, cherchons le matelot. Oui, non, mais... oui... Ouais, tu le vois satisfait, en effet. Il te fait oui de la tête. Hey. Vous avez dû le voir. Vous êtes resté sur le pont supérieur pendant le. Oui. Pendant que oui. Nous partions de Saint-Malo. Oui, mais après, vous savez, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment un œil expert pour savoir
qui travaille bien ou pas, je n'y connais pas grand chose, très honnêtement. Donc, mais j'ai je comprends, en effet. Mais j'ai toute confiance en votre jugement. Et donc là, je reparle. Alors, je sais pas si on refait la conversation ou pas, mais je reparle de ton chien, du coup. Voilà, pour hop, relier. On la refait ? Oui, vas-y, c'est pour Bana. Ok. Mais je vois que tu es un petit compagnon, Mio. Ah oui, c'est mon chien. Ah, tu vas amener un chien à bord. Ouais. Ah bah, il est habitué à la mer, hein. Bon, je dis pas qu'il avait envie d'aller à la mer, hein, mais je l'ai habitué. Oh, il a l'air de bien s'habituer malgré tout. C'est quoi son... Quel est son petit nom Il s'appelle Épagnol. Et effectivement, quand vous le regardez, c'est bel et bien un Épagnol. D'accord, je marque personnellement un petit silence. Je te jette un regard de travers, genre what the fuck. Je l'ai appelé Épagnol parce que le curé m'a dit que c'était un Épagnol. Vous savez, je l'ai trouvé dans la rue. Ah, tu l'as recueilli ? Ah bah oui, il avait l'air d'avoir faim et tout ça, il était dans la rue, il avait l'air abandonné. Oh, c'est bien, tu as bon cœur, Milio. Mais, mon cher Milio, vous savez que la race de votre chien s'appelle... c'est un Épagnol, c'est pas son prénom. Ah, le curé m'a dit que c'était un beau chien. Il paraît que c'est pour la chasse. Oui, et puis vous avez des facilités à le dresser. Ah oui, tout à fait. Vous le verriez faire le beau, c'est génial. Et pourquoi ne pas lui donner le nom d'un... Je ne sais pas, d'un dieu des mers, d'un roi des mers. Quelque chose qui collerait à la situation. Un dieu des mers? Mais de quoi parlez-vous? Ouais, Mio, regarde avec des grands yeux. Si, bah c'est. Ah, vous ne connaissez pas Poséidon. Si, si, ça c'est Neptune, tout ça. C'est quand même des choses qui. Dans la tradition du marin, ça. Méchant, ah, Poséidon, Neptune, tout ça, je suis censé connaître, moi. C'est pas bah, non, oui. Enfin, disons, tu connais pas. Parce que pour moi, c'est des trucs de l'étrui, moi, tout ça. Mais... Chevalier d'or du poisson. Bah, tu connais. Non, mais. Non mais justement, tu connais pas Homer, mais tu sais, tu connais un peu les légendes, quoi, tu... Ouais, c'est le truc, les sirènes et trucs comme ça. Ouais, non, ça m'était pas venu à l'esprit. Bon, lui, il vient pas de la mer, à la base, donc... Je savais pas comment l'appeler. Bon, je l'appelais Épagnol. Bon, il répond. L'important, c'est qu'il réponde. Oui. Écoute, si ça te convient et si ça convient à ton chien, je ne vois pas le problème. Ah bah ça lui convient, il sait que je parle de lui quand je dis ça. Donc... Et quelque part c'est original. Je pense que peu de personnes ont appelé leur Épagnol. Eh hey. C'est bien alors, du coup. Mais il a un petit surnom, c'est juste Épagnol. Non, Épagnol. C'est très bien comme nom. Oui, c'est très bien. T'as fait un signe genre oui, d'accord, oui. Y a-t-il un problème Ah, d'ailleurs, nous ne sommes pas présentés. C'est Franche qui te parle. Quel est ton nom? Quel est votre nom? Eh bien, c'est comme Faucigny, mon cher ami. Ed Cambusier. Je lui tends ma main. Bah, tu la serres. Et vous Je suis Léonard Von Alphen, un simple passager sur ce navire, mais ma profession est chirurgien. Dans la main. Oh, un chirurgien. Vous avez discuté avec le nôtre? Non, pas encore. J'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs quand ça sera possible et s'il a un peu de temps à me consacrer. Oh, je... Ça... Oui, profitez du début de la traversée. C'est là où il aura moins de choses à faire. Je pense que vous pourrez aller le voir peut-être après le repas ou demain. Au plus tard. Oui, et dites-moi, vous le connaissez bien? Ah, pas du tout, non. Si vous parlez du chirurgien,
Il n'a pas l'air... Comment dire ? C'est pas une tête qui me parle, et par contre, bon, il a l'air un peu mal à l'aise, j'ai l'impression, à bord. Je pense qu'il doit pas avoir beaucoup de bouteilles. De saison à son actif. Oui, de bouteilles, oui. Ça enlève la bouteille. Et ouais, non, c'est... Je ne connais pas, non, en tout cas, si... Écoutez... Il y a des informations sur lui, ce n'est pas moi qui... Quelque part, tant mieux que vous ne connaissiez pas. Je lui fais un petit sourire amusé. Ah c'est bah... Une bonne nouvelle. Donc, faut prier le bon Dieu pour que ça dure le plus longtemps possible, mais généralement... Il y a beaucoup d'hommes qui passent sous sa main. Je parle pas de lui, mais de manière générale, c'est comme ça. Et de manière générale, il a bonne réputation parmi vous. Le chirurgien. Celui qui est le nôtre. Oui. Bah, je vous ai dit. Enfin, j'en ai un peu parlé avec d'autres, et parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il est un peu timide. Hein, Je vois. Et ça m'avait, ouais, disons que ça m'a pas inquiété. Je me suis douté que je me doute qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en mer, et c'est normal d'être peu à l'aise. Mais mais voilà, les autres ne pouvaient pas me dire plus à son sujet. C'est quelqu'un qui est un peu inconnu à bord. Bon. Oui. De ce que vous dites, je suppose qu'il doit être assez réservé. Donc, Ah bah ça, il cause pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, il s'est vite renfermé dans son infirmerie en bas. Il n'est pas resté sur le pont. Nous sommes partis. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu beaucoup traîner, effectivement. Ah. Ah bah je crois qu'on a quand même identifié le bonhomme, mais après je n'en dirai pas plus si ça se trouve c'est quelqu'un de bien, j'imagine. Oui, vous savez, parfois certaines personnes préfèrent être simplement pudiques. Il faut pas forcément leur en tenir rigueur. Et du moment qu'il fait bien son travail. Oui. D'ailleurs, je vous demande pardon, je me suis même pas présenté. Moi, c'est Fanch. Heureux de vous rencontrer. Fanch Kerviec. Vous travaillez sur ce navire depuis combien de temps ? Bah, celui-là, c'est la première fois, mais vous savez, on reste pas forcément sur le même navire. Ah, vous changez beaucoup. Ah bah, dès qu'il y a une opportunité, on la saisit. Il y a beaucoup d'équipages qui se forment sur le tard, juste avant les expéditions, et du coup, on rencontre pas mal de monde, on change assez souvent de partenaires et du coup de navires de cargaison. Ah, d'accord. Vous savez, il y en a beaucoup à bord qui sont allés en Terre-Neuve pour pêcher à Maury, mais bon, ils ont réussi à trouver autre chose et c'est peut-être pas plus mal. Écoutez, si c'est bien payé. Tu vois qu'il tire une mine quand même quand tu dis ça. Du coup, il répond pas vraiment, tu vois qu'il fait une mine et puis au bout d'un moment il fait il faudra peut-être aller se chercher à manger et à boire, pas rester là coincé comme ça. Oui. À côté de vous il y a un homme, des personnes, notamment un homme et sa femme qui dit. Oui, en effet, faudrait
Ce serait bien de manger. Je sais que nous ne venons que de partir, mais c'est quand même important. Si vous voulez, je peux aller chercher de la nourriture pour vous. Je sais, j'ai vu où les hommes se dirigeaient. Je ne devrais pas me perdre. Écoutez, et puis, vas-y. Moi, écoutez, ça ne me pose pas de problème. Je regarde les autres. Et donc, tu vois qu'il était, à moitié debout. Si vous vous proposez, très bien. Allez-y. Prenez ce saut et puis... Puis on vous attend. Bah, l'homme, il s'exécute et puis... il se lève et prend le saut. Vous voulez de l'aide? Mon cher Franche, je suis être combusé. Je peux aller voir le coq, vous inquiétez pas. Je m'occupe de vous. Restez donc assis, buvez du bon vin. Ou de la bonne bière. Ah, le vin, on boit le vin qu'il nous donne, hein. Il n'est pas forcément bon. Même, on est content quand il est bon, on n'est pas souvent content. Ah, écoutez. Laissez-moi faire, profitez de la soirée. Je reviens tout de suite. T'as l'homme qui est là. Bon, bah, très bien, on vous attend. Bah, je fais l'aller-retour. Ok. Te faire passer cool d'abord. Ouais, on va passer à cool. Donc, juste pour finir, toi tu ramènes du coup et vous servez chacun. Est-ce qu'il y a Ah, pardon, bon, ok. Bon, bah, on va passer à cool, on verra ça. Cool. Pardon, oui, c'est mieux comme ça. Oh merde, c'est vrai, je joue, désolé. Non, c'est pas ça, c'est que mon micro était relevé. Ah, oui. Bah, alors. J'ai appelé Joseph. Oui. Hop. Et hop. Fais du monde. Donc toi, t'avais suivi le mouvement et le capitaine, une fois que t'étais dans l'entrepont, il t'a fait. Il est venu te voir et... Monsieur, je vous invite dans mon carré. Nous allons dîner avec les autres officiers de... C'est trop d'honneur, capitaine. Les autres officiers de bord, venez. Ah non, c'est mon plaisir. Donc, tu le suis et justement, Tu vas à l'arrière, dans un endroit un peu plus... Il y a une porte, mais... disons que quand tu l'ouvres, tu vois un salon qui change, qui détonne un peu avec ce que tu avais vu jusqu'à maintenant. C'est quand même un endroit plus joli, avec quelques tapis au sol. Comment ? Je vois le genre à peu près. Ouais, c'est un endroit où il fait bon vivre par rapport au reste. Et tu vois donc une table, tout le monde s'assoit tour à tour, et t'as, les personnes qui restent debout sont les valets du capitaine, les deux valets qui sont très bien habillés. Fait Discord, ça me déconcentre. donc tu vois tous ceux que tu avais rencontrés avant, certaines personnes avec qui tu t'étais pas encore entretenu, mais en tout cas t'avais repéré toutes les têtes avant. Et donc quand tu la soirée se passe, tu vois certains qui allument leur pipe. Je sais pas si toi tu fumes. Non, je ne fume pas. Ok. Bah, ça ne me dérange pas. Tout le monde se met à l'aise. T'as la nourriture qui commence à être livrée, à être apportée. Mm-hmm. Et dans des seaux aussi ou... Non, là c'est des jolis, l'argenterie, de la belle argenterie. Ah non, bah, plus privilégié. C'est des seaux plats en fait.
C'est souple, là. Ça va, qu'on prépare la révolution, toi. Bah écoute, je mange avec plaisir, je me détends aussi. Juste avant que vous commenciez à manger, t'as le capitaine qui fait « Bien, nous voilà tous rassemblés, je profitais d'être mes invités ce soir. Je... vous aurez le droit à la meilleure nourriture à bord, elle fait partie de ma réserve personnelle. Et il en est de même de ce bon vin de Bordeaux, et il claque son... Il fait appel à son valet qui avait la bouteille en main et qui vous verse petit à petit. Nous avons à notre table quelqu'un de marque. Je ne sais pas si vous êtes... si vous avez eu la chance de vous rencontrer encore, mais je vous présente Monsieur De Guy. Sera des nôtres jusqu'à notre arrivée en Nouvelle-France. Je salue tout le monde d'un hochement de tête. Ben, tout le monde fait de même en réponse. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Merci beaucoup, capitaine. Je dois dire que j'apprécie tout particulièrement le voyage sur ce navire. Bien, j'espère que ça ne changera pas, donc. Aucune raison pour cela. J'y veillerai. Bien. En fait, ça... Quand vous avez fini d'être servi, ça commence à manger tranquillement. Et de temps en temps, en fait, enfin, après le repas, plutôt. Ça cause pendant le repas, mais c'est surtout après le repas. Vous avez t'as le capitaine qui fait bien. Je sais que nous avons, nous venons que de partir, mais je profite que nous soyons rassemblés pour savoir si tout se passe bien à bord. Et il dit ça en regardant les différents officiers. Et tout le monde est plutôt serein. T'as juste... Enfin... T'en as qui sont un peu plus petits que d'autres, tu le sens. Parce que, Silas, il est que quartier maître. C'est vraiment un privilège pour lui d'être là. Ça se ressent dans sa façon d'être. Et il ouvre pas. Il attend qu'on lui demande... Enfin, ouais. La permission de l'ouvrir. Il se fait pas remarquer, quoi. C'est ça. Et t'en as un autre qui se fait pas remarquer. qui est là... Il est... Lui, par contre, tu sens qu'il est pas... Enfin, il est quand même content d'être là. Ça se voit sur son visage. D'accord. Il fait pas de bruit, mais il est pas malheureux. Et puis, bah, du coup, ça discute un peu. T'as le... le second qui demande... À Baudouin. Baudouin, il y a plusieurs maîtres d'équipage. C'est un des maîtres d'équipage, je ne sais pas tous là, mais bon, il s'adresse au maître d'équipage et t'as Baudouin qui fait de mon côté, tout va bien. J'ai repéré quelques tirs au flanc, mais ils ont quand même suivi les ordres, donc pour l'instant. Ça devrait aller. J'essaierai de. Pardon. Je ferai tout mon possible pour que il s'améliore. Puis t'as le capitaine qui fait. Ouais, j'espère bien. Sinon, il va falloir sévir et ne pas trop tarder. Sinon, les hommes s'habitueraient à une charge plus légère et ce serait mauvais pour tout le monde. Bien, mon capitaine. Comme je vous ai dit, je ferai tout mon possible. T'as... Voilà. Ah. Il a sauté. Non. Il a sauté par les loups. Petit voilà. Qui fait...
J'ai pu vérifier toutes les gueules et tout est en ordre. Nous avons préparé quelques gargousses. Les hommes ont préparé les boulets à côté, les piles de boulets. Nous n'avons pas trop encombré l'entrepont parce que pour l'instant nous n'avons pas de raison de nous inquiéter, mais nous sommes quand même prêts à répondre à l'assaillant s'il se présente. Bien, petit. Bien. Je vois que vous faites toujours... Vous donnez toujours aux hommes l'envie de faire au mieux. Ça me fait plaisir. Et voilà, ça continue à faire des comptes rendus comme ça. tout a l'air en ordre. Certains ont vérifié que... Le maître voilier a vérifié que les voiles n'avaient pas de... présentaient pas de faiblesse et donc ne risquaient pas de lâcher, mais... Pour l'instant, là, le bateau a été entretenu juste avant son départ, donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, mais bon, on vérifie toujours. Donc voilà, c'est ce qui se passe après le repas, et donc ensuite, le capitaine fait « Bien, hein, ce que j'entends me ravit. Je vous demanderai comme ça un rapport le soir, ça. Maintenant, vous avez quartier libre. Vous pouvez passer le temps comme vous voulez. Et vous, monsieur De Guy, si vous avez une requête, venez me voir. Je tâcherai d'y répondre. Je vous remercie, capitaine. Mais pour l'instant, tout va bien. Bien. Alors, le repas se termine. Les officiers sortent du carré. Oui, j'avais dit la dernière fois que pendant que vous parliez, c'était assez calme de votre côté. Et vous entendiez un peu le brouhaha. Le bordel d'à côté. Semi-bordel, c'est pas non plus... Il y a du monde, quoi. Il y a des gens qui parlent. Chaos, mais voilà, ça cause, ça rigole. Du voilà. Pain et du vin. Ça parle de chien, tout ça. Et, du coup, t'en as... Enfin, le repas se termine, t'en as quelques-uns qui partent, d'autres qui restent assis, profitent un peu du peu de temps qui leur reste, et du carré, ouais. Pour finir de fumer... Est-ce que le mec en face de moi lui reste? Ouais, lui. Lui, on. Ouais, en fait. Il reste et. Tu le vois, enfin, comme je t'ai dit, il y en a certains qui sortent des cartes pour jouer. Mm-hmm. Et tu vois que lui, il se rapproche. Il a l'air intéressé. Il fait pas de bruit. Il attend que la partie soit prête, quoi. Et et voilà, quoi. Okay. Le maître canonnier, j'ai oublié son nom. Oui, c'est Antoine Petit. Antoine Petit. Il fait quoi, lui? Oui. Oui, oui, c'est juste que je mange en même temps, désolé. Pardon. T'es RP à fond, c'est beau. T'as vu. Antoine Petit, lui, il est monté à l'étage. Ah, il est parti. Il est sur le pont, ouais. D'accord. Écoute, si. Alors. C'est où le jeu? Ah, le jeu, c'est dans. Ah! Bah, t'as une compétence jeu. Ouh, je sens que j'ai pas mis de point. Ah si, j'ai mis un point dedans. Bah écoute, j'essaye de rentrer dans la partie, tiens. Incroyable. Alors attends. Ah. Yu-Gi-Oh! On a trouvé le vice de Joseph. Ok. Donc, alors. Ouais. Je déplace pas les gens, c'est pas grave. Autour là, dans le jeu, t'as Étienne,
Le chirurgien. Ah, c'est le chirurgien, ok. Oui. T'as Silas, qui lui s'occupe de servir, enfin il s'occupe du jeu, quoi. Mm-hmm. Il distribue. Distribue, c'est ça. Et t'as cet homme, Nicolas Vermont, t'avais présenté comme le canonnier. Ou second lieutenant. Même chose. Qui n'est pas la même chose que le second qui est le premier lieutenant. Ah non. Ah, j'ai mal au crâne. Et je croyais que les trois mousquetaires n'étaient que 4. Mais non, ils sont 5. Mais non, ils sont 5. Vous êtes 4, vous pouvez jouer. Mm-hmm. Et en fait, juste avant que vous commenciez, que vous étiez servi, t'as un homme qui se rajoute à la table. Un peu en retard. En fait, il était resté à table de se profiter du bon vin. Il a un peu traîné. C'est le mec à plumer, lui. C'est clair. Donc il est là. Il est là, il arrive et bah, du coup, t'as Silas qui regarde un peu d'un œil. Un peu circonspect. Un peu saoulé, tu vois. Oh putain, il faut que je. faut que je redistribue. Bon, allez, c'est parti. Et bah, voilà, donc vous retrouvez tous les 5. Ok, bah, une petite partie sympathique. Alors, c'est jeu sur quoi? Oui, alors, sur expression. Sur expression, ok. Alors, en toute honnêteté, je. Enfin. Parce que c'est un jeu de bluff, c'est ça? Bah, on va dire que. Je me suis pas renseigné sur les jeux. Les jeux populaires d'époque. Mais Non. C'est. Enfin. Je sais pas. On part sur quoi comme type de jeu? Dis-moi. Oh bah, je sais pas, moi, je. Écoutez, faites une sorte de poker de l'époque. Vas-y. On... La bête. Ouais, on va faire un tarot. Je suis. Les dominos. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. En plus, moi, je m'y connais pas. Ah, mais on est 5, on peut faire un tarot. Je sais. Dire, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont vraiment traversé les siècles comme ça. Je sais. Tarot, mais... Magic. Et voilà. Je sors mon éphémère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pose une carte piège. C'est ça. Je sais pas comment on joue au tarot, ça fait longtemps, mais. C'est-à-dire que c'est un jeu de bluff. Avec tarot, okay. Bah, tu bluffes quand t'annonces, quoi. Mais... C'est ouais, ça, c'est ouais. Ça, oui. Donc, il y a quand même ça. Donc, tu me fais, en effet, un jeu de jeu sur expression. C'est le bah, j'ai fait, mais j'ai l'impression que ça n'a pas très bien marché. C'est juste une sortie résultat 1. Ah, ok, bah... Tu me prends le cœur. C'est le temps de faire ta plus belle poker face. 4, t'as combien? T'as... En expression oh, J'ai l'expression, j'ai 4. Ah! Oh! Cool. Il est là. Bon. Ok, bah c'est. Bravo. Merci. Attends. C'est du D10. Faire des jets aussi. Donc, qu'on va faire se trouver. Voilà. Faites-vous que je... Ouais, vous lirez après. J'irai ça après, ouais. Mais c'est plutôt cool. Donc, ce que je vais faire, on va faire 3 lancers chacun. Et celui qui a fait le plus de succès l'emporte. D'accord. Enfin, celui qui a gagné le plus de manches l'emporte. Je vais faire comme ça. T'as fait ton jet, moi je fais le mien. Ok. Ok. Vas-y. Ah. Oula. Oula. Ah. Oups. Alors, oui, d'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, t'as raison, putain, j'ai oublié Léonard.
Oui, j'ai complètement oublié la mise, mais bon. On va dire que vous êtes entre gentlemen, donc on joue pour c'est que le premier soir, donc voilà. On dépouille pas encore les gens, on dépouille pas le premier soir. Alors faut garder le plaisir tout, parce que sinon tu le dépouilles aujourd'hui, bah pendant tout. Il va plus jouer, donc faut que tu le dépouilles pendant tout le long. Ok, vas-y, un dernier. Un dernier. Ok, alors, un D8, je dis, c'est quoi ça? Non, c'est moi, c'est toi. Ouais. Parce que c'est un jeu expert. Ça ressemble à ça, un D8, oui. 2, ok. D'accord. Très bien. Alors, c'est très serré. Il n'y a pas de mise, mais tu vois que tout le monde est quand même sérieux. Tu vois, tout le monde est à fond. Ouais. On rigole pas avec le jeu. Pas pour les enfants, les jeux. C'est très serré, mais sur la première, deuxième et troisième manche, tu as tenu tête, mais tu t'es fait rétamer sur la deuxième manche. Et en fait, la personne qui en sort vainqueur, c'est tada, l'outsider Bastien Bogemer. qui en profite pour lâcher. Hein. Ah, mais ça, sans mise, c'est quand même moins drôle, mais bon, je reste quand même le plus doué de la carte. Pas grave, vous aurez le temps d'apprendre et devenir bon d'ici là. Putain, mais j'ouvre pas trop, ça va mal se passer. Ouais, tu sens que... Un mec en mode amateur, quoi. tu sens qu'il fait pas trop le modeste. Là, tu fais plus que le sentir, en fait. je regarde la réaction des autres. Bah, les autres... Quand il fait pas le modeste, justement. T'as Silas qui fait... Ouais, enfin... Bon, c'est pas... C'est qu'aujourd'hui, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et il continue... Moi, je me le refais... Oui, c'est ce qu'on dit. Pas beau. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait à Saint-Malo dans les auberges, c'est moi j'ai un nom, hein. Moi je l'ai vu ce que vous avez fait. Pardon. t'as le canonnier qui te regarde. Il fait pas de remarque, mais il a juste détourné les yeux vers toi quand t'as fait la remarque. Et moi, t'as moi j'ai fait. Oui, enfin, en tout cas, je suis connu. Et ça. Et ça, ouais. C'est indubitable. Enfin bon, c'est déjà ça, et j'ai déjà empoché pas mal. Bon, je m'en souviens pas parce que j'ai perdu, mais bon, bon joueur à un moment perd, c'est comme ça. Puis t'as Nicolas qui fait c'est bon, moi je meurs, tu vas pas nous la faire à chaque fois. Bon, bravo pour cette fois. On reverra ça demain et j'espère qu'il t'a resté des sous depuis Saint-Malo parce que tu vas en avoir besoin. Sur ce, je vais monter sur le. T'as Etienne qui fait on s'arrête déjà. Ah, c'est bon, c'est bien amusant. Je suis pas très doué, mais j'ai fait au mieux. Si jamais vous voulez faire encore, je serais bien d'accord. En ce qui me concerne, c'est assez pour ce soir. Ah, bien, d'accord. Je vais retourner à mes quartiers alors, moi aussi. Je vous laisse, messieurs.
Il vous fait un signe de la tête. On va. Ouais. On va aller voir comment ça se passe de l'autre côté. C'est Nicolas qui dit ça et il s'en va. Je lui emboîte le pas. Ok. Bon, t'as les deux autres qui traînent un peu, mais... En marchant, je lui demande, dites-moi Nicolas, est-ce que vous bretez un peu ? Est-ce que je brette ? Alors, deux secondes. Deux secondes. Ah, t'as gagné l'XP ? Quel compas. Ouais. Il te fait... C'est la fin d'un combat. Bah, à vrai dire, moi, je suis... Mais monsieur, moi, je ne serais pas... Je ne sais pas si je serais un bon adversaire pour... En termes d'escrime, je sais me battre. Ma famille est dans la marine depuis un moment, mais à vrai dire, je n'ai pas eu votre éducation au combat. Elle est différente. Oh, très certainement, mais cela peut être intéressant. En fait, je cherche un partenaire d'entraînement. Le voyage va être long et je voudrais certains jours pouvoir m'entraîner à échanger quelques pas, rien de très agressif, juste de quoi garder la main et entraîner quelques bottes pour ne pas se rouiller. Je comprends, c'est en effet. Hein. En plus, un bon moyen de passer le temps tout en conservant sa forme. Effectivement. Maintenant, je ne veux rien vous imposer. C'est une question comme ça. Au passage. Savez, je suis disponible. Pourront essayer ça demain. Ouais, avec plaisir. Ou plus tard, si je fais un enfant. Nous avons le temps. Bien, très bien. Nous en parlerons du coup. Très bien. Voilà, puis je laisse vaquer ses occupations du coup. Tu vois quand même que c'est quelqu'un de jeune. Hein. Il a, oui. Il a même pas la trentaine. Enfin, okay. Je dirais plus de la vingtaine, mais plutôt. La mi-vingtaine, quoi. D'accord. Très bien. Eh bien, si ça finit avec toi, si c'est fini avec toi, Joseph. Oui. On va retourner à Côme, qui était parti se servir. Donc, qu'est-ce que tu fais, Côme ? Côme ? Oh merde, voilà. Ah, Sarko. Il s'est endormi. Bada, si t'es là, tape trois fois. Comme no. C'est la réduction. T'es pas en mute, peut-être ou... Non, il est pas en mute. Non. Il est AFK parce que ça te concernait pas. Mais ça va être un peu compliqué, du coup, vu que... Non, mais il va revenir. Mais oui, il va revenir. Il revient toujours. Il est aux toilettes. Si ça se trouve, c'est ça. Oui. Ah, ouais. Ah. 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 Donc, Côme, que fais-tu ? T'es parti chercher à manger, c'est ça ? Bah oui, chercher du rhum. À manger, chercher du rhum. Mange des kids. Du rab ou du rhum ? Du rab. Ah, du rab. J'ai compris du rhum. Moi aussi, j'ai compris du rhum. J'ai compris du robe. Erab. Robe le robot. Ouais, mais faut déjà se servir une fois. Oui, mais c'est pas. Chercher mon rab à moi. Du coup. Ah, c'est ça, tu vas chercher le rab avant. Oui, comme ça, il est sûr d'en avoir. Bah, je sais pas, tu me dis. Hein. Donc, il a dit il me gardera des trucs. Alors, je vais aller voir. Ah, il a pas dit ça, non. Bon, j'ai pas compris ça. Ouais, c'est bon, hein. Donne le rap et pas t'appuyer. Il a dit qu'il serait plus moins regardant si c'était toi. Après, bon, pour autant que. Bah, c'est moi là, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Oui, bah oui, c'est toi, oui. Bah oui, c'est toi. Bon, tu vas voir le coq, ok ?
Qu'est-ce que tu fais? Je peux avoir des frites. T'arrives devant le coq qui était en train de servir déjà quelqu'un. Et t'as quelqu'un qui... Enfin, il y a une petite queue, quoi. Chacun à son tour se lève, c'est rien d'aller en même temps. Non, pour le coup, j'attends, mais j'essaye d'être le seul après, à la fin de la queue. Pour qu'il n'y ait... Donc... ait personne derrière. Ouais, le gars qui était devant toi est servi, il s'en va. Et donc, tu laisses passer le gars qui était derrière? Oui, je vais être tout seul avec le... Okay. Je dis, allez-y, mon brave, vas-y. J'essaye d'être gentil devant les hommes, tu vois. Ouais. Tu vas me faire juste un jet. Un jet de gentillesse. Tout à fait. Mmh. Avec les hommes. Oh. C'est un enjeu. Attention. What? Tu me fais un jet de... Ça peut être... Oh, on est sur un bateau, la tension est moins érotique, c'est normal. Bateau. Tu me fais un jet de comédie sur charisme. Oula. Oh, avec un moins 1. Attends, il faut que je retrouve comédie. Oui, comédie. Et comment tu fais le moins 1 du coup? Lance ton jet, on enlèvera. Ah oui, il y a un dé en moins. Ok. Donc, non, c'est pas un dé, c'est moins 1, donc c'est la facilité que... T'as un malus sur la facilité, pas l'efficacité. Alors, est-ce qu'il marche, j'ai dit. Oui, ça a l'air de marcher. Alors, attends, t'as combien... J'ai dit quoi? Expression? Est-ce que j'ai... Non, charisme. Comédie sur charisme. C'est... Ok. Bah, c'est... Ok. Bah, c'est un... 4 succès. Bah, il est là... Voilà, du coup... Point d'XP. Coche. Ah oui, vas-y. Bah, t'es là en mode. Allez, vas-y, je me servirai après. Du coup, lui, en mode. Il lève un peu les épaules, puis ça lui fait. Enfin, il dit. Bah, merci, hein, ça. Bah, de rien, faut s'entraider. C'est vrai que mon carré, là, il respecte un peu, ça fait. Ça fait deux fois que tu passes. On attend une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on attend, Merci, hein. Et bah, il passe devant toi. Et du coup, tu vois qu'il y en a d'autres quand même qui suivent. donc tu les laisses passer tour à tour, j'imagine, c'est ça? Il y en a beaucoup. T'en as... T'en as... 4. Non, 3 qui passent après toi. 3 qui passent. Ouais, je les laisse passer aussi. Ok. Bon, genre, t'as fait un bon jet. Hein, ils sautent pas de grand chose. Hein. Et eux, ils sont là en mode, putain. Il est cool. Le nouveau, il est cool, ouais. par contre, ça fait... vu que tu laisses passer tout le monde, t'as quelqu'un qui arrive derrière toi. Et qui fait bah alors faut signer en traînasse, c'est Fanche. Putain, le relou. Je vais bouffer. Hein. Bah alors ça fait un moment qu'on est à côté de vous, on attend nous. T'es pas perdu? Non. Regarde non, la coquille, c'est juste là. J'observais le coq qui cuisinait, ça m'intrigue. Ah bah. Te prends d'abord à manger et puis tu reviendras le voir. Oui, bah allez-y mon cher Fanche, j'arrive tout de suite, promis. Ok, j'y retourne. Dans ma tête c'est oui, vas-y. Oui, bah, j'avais compris. J'y retourne au carré. Et bah tu te retrouves seul avec Jean-Baptiste. Frère Jean-Baptiste. Ah, frère Jean-Baptiste. Je viens chercher notre repas. Il y en a plus. Si j'étais bâtard, j'aimerais ça. Il y a que le fond de la gamelle qui est tout cramé. Il reste un fond de purée, splatch. Le fond de purée, mais il est là. J'ai plus de lait, j'ai plus à l'eau de mer. À vous. À moitié encore lait.
Te voilà. Il n'y a plus de vin. Te voilà. Bien, je t'ai gardé une saucisse. Il me reste encore. Tu viens en dernier, il me reste encore. Il me reste encore, donc passe-moi ton seau, je vais te le verser. Je lui donne. Tu passes ton seau et tu vois que. En fait, tu vois qu'il a l'air légèrement plus rempli que les autres. T'avais, vu que tu avais laissé passer les autres, tu avais vu en même temps ce qu'ils avaient eu comme ration et tu vois que c'est. T'as un peu plus. Ok. Et fait bon, c'est le fond de la marmite, ça sera peut-être un peu moins bon. Donc voilà, c'est, en contrepartie, j'espère que ça suffira. Ah oui, tout à fait. Tu, quand il dit ça, tu le vois en mode. Tu vois un peu. il suit un petit peu. Il est un peu malaise, hein, toujours. Bah, je jette un coup d'œil derrière, je vois s'il n'y a personne. Et puis je dis, ouais, tout à fait, c'est très bien. Ça. Du coup, quand tu reprends le saut, lui, tout de suite après, il joint les mains, il fait plus de bruit. Et du coup, toi, tu. Bah, tu vois, il te regarde plus, hein, il se recueille. Tu l'entends parler dans sa barbe encore une fois. T'as l'air de discerner un peu de latin. Il demande pardon à son seigneur. En m'en allant, je dis amen. Tu vois, puis je... Le mec du tout. Tu okay. Bah, tu. Allez, tu... Amen et shalom. Mazel tov. C'est ça. Inch'Allah. Quand tu dis ça, tu le vois lever d'un coup la tête et puis repartir dans son recueillement. Et bon, j'y vais. Part, tu retournes. Vers les autres. Bah, du coup, quand je reviens, j'essaye de bien mettre en évidence que. Que j'ai eu plus. Que t'as ramené du cramé. Non, que j'ai eu plus. Tu le mets en évidence, c'est-à-dire. Ah, j'essaie que tous les autres autour le voient, quoi. Que... Oh, regardez, j'ai un seau qui est rempli. C'est à ta table. De quoi? Tout le monde. C'est à ta table ou tout le monde? Bah, tout le monde, ouais. Tout le monde. Non, mais, non, oui. C'est à sa table, c'est... je pense que ça, vous comprenez pas, là. Tout le monde à sa table. Tout le monde à ta table ou tout le monde dans l'entrefond? Au secours, tout le monde à la table. Moi j'ai eu plus à manger. Il va carrément dans le carré. T'en veux, t'en veux. Regarde ce que j'ai eu, moi. Eh bien, tu. Bah, tu retournes du coup à ta table, tu le montres. T'as les personnes, tu sais, celui qui s'était dévoué qui a l'air très content. Puis sa femme aussi. Et par contre, t'as. Fanch, il fait. Il a pas l'air de dire grand chose. Il te sourit, mais c'est un peu pince sans rire. Enfin, tu vois. Ouais, enfin. Voilà. J'ai failli attendre. Je sais pas si. Ouais, c'est ça, il est surtout content de voir que la nourriture est enfin arrivée. Bah du coup, voilà, vous servez. Ouais, repas. Vous pouvez manger. Alors que tout le monde a déjà fini et bien couché. À manger. Même mon chien, il l'avait eu avant. C'est très mauvais pour ton autorité, ça. Ouais, du coup, ton chien, tu fais quoi? Il est là? Bah oui, il est là, il est à côté. Ah, je lui donne un bout de viande. Il mange le rame. Bah ouais. Oh, ton chien, il se jette sur le tonneau et... sur le... Ah, au détour... Bah ouais, c'est le coq qui lui a rien donné. Moi, au détour de la conversation, je dis... Bah écoute, ouais, tu t'as pas demandé au coq quoi que ce soit, donc en soi, il s'est pas occupé de ton chien. Oh, bah intérieurement, je me dis que j'irais lui demander quand même à ce brave homme. Après tout, je suis un chrétien, moi. Pas comme l'autre, là. C'est quel autre pour le coup. Ok. Il y a quelqu'un qui pouvait dire quelque chose, je crois. Ah, attends, et c'était quoi le repas déjà? Excuse-moi.
J'avais dit que c'était du bœuf avec. Ah, je vais demander. Je vais demander au coq. C'est sous Bruxelles. Je vais demander au coq s'il a pas des un os pour mon chien. Un os. Bah oui. J'ai un os, mais d'un autre chien. Je crois que les chiens, ils s'en foutent. En fait. Mais tu. Il a un os, je pense qu'il prend. Bah ouais. Bah du coup, tu vas le voir et puis tu lui demandes ça. Il fait. Oui, j'ai peut-être ça. En effet, je vais. Tiens, regarde. S'il vous plaît. Il prend sa louche et puis il fouille un peu dans ce qui reste, sa marmite, et puis il sort deux os à moelle. Parfait. C'est pour. Enfin, oui, tu as dit que c'était pour ton chien. Oui, c'est pour mon chien, c'est pour l'espagnol. Ouais, bah, il faut s'en occuper, ce serait. C'est un beau chien, je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Oui, tout à fait, je suis très content de mon chien. Et effectivement, j'ai pas pensé à vous demander avant. Ouais, ouais je. Ça, tu fais bien de venir me voir. Quand j'aurai des choses pour lui, je lui donnerai. Ah, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je sais que en haut, tu peux pas forcément t'occuper de lui en permanence. Donc, si je vois qu'il s'ennuie ou qu'il a faim, je m'en occuperai. Merci beaucoup. Merci. Bon bah du coup je reviens content et puis je donne un os à mon chien. Ok. Hey, le coq il est super sympa. Ouais, j'allais l'envoler. Puis enfin tu dis ça en revenant à table oui. À Fordway oui. Bah t'as. Oui à table. T'as les hommes qui fait ouais frère Jean-Baptiste, frère Jean-Baptiste. Ouais, bah, voilà, ouais, du coup, s'ils sont motivés, ouais, c'est pareil. Hein. Et puis on lui fait une petite chanson après. Le coq, c'est la personne la plus importante d'un bateau. C'est magnifique. Puis t'as, bah lui, du coup, il entend ça et il vient pas vraiment, tu vois. Il s'écarte un peu pour regarder qu'on... Qu'il entend, il fait coucou et puis il retourne. Ouais, du coup, ça c'est la stand innovation quand il passe la tête. Il passe la tête à. Oh plus nul là. La célébrité. Très bien. Bon, bah la soirée se passe, du coup. Mais c'est pas fini pour tout le monde. Parce que, bah. Pendant que vous aviez votre quart pour manger, bah, les autres y bossaient en haut et il faut alterner. Donc, c'est à toi de faire ton quart de nuit maintenant, Milio. Pour ton travail. Et t'entends justement ça. Tu l'entends au son de. Est-ce que je l'ai plus. Tu l'entends au son de la cloche de. Non, je sais pas. De la cloche de quart justement qui sonne à chaque fois pour annoncer. Le changement de bordel. C'est la cloche. Cloche. Bon bah je retourne travailler, messieurs, c'est un plaisir. Bon courage, Milio. T'as Franche qui fait... Ça va aller, Milio? Oh ouais, ça va aller. Ah, ça va, c'est le premier jour. Hein. Si je traînais de la pâte maintenant, qu'est-ce que ça serait dans 2 semaines, hein? Bah c'est bien, je vois que... Pire pas le nord. Hey. Bon. Je vais essayer de retourner. Ouais. Ah, plus. Et du coup, tu retournes en haut. Puis vous voyez d'autres descendre, notamment Glenn qui va s'installer. Voulez-vous faire quelque chose en ce début de nuit ou est-ce que vous allez vous coucher? Il est plutôt très tard ou. Il est non, il est pas très tard parce que enfin, il est disons, je me trompe pas donc minuit, 4h, 8h, midi, 16h, 20h, ouais. Il est, il commence à faire minuit quoi. Ah ouais donc si, un peu tard. C'est quand même un peu tard, ouais.
Donc ouais, non, je voulais parler au chirurgien, mais j'ai plutôt d'attendre demain matin, du coup, quand même, parce que... Oui, ça va t'attendre. On va tous se coucher. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas pressé, là, à la minute. Ok. Bah, du coup, tu retournes aux couchettes, à tes couchettes. Tu es le seul à remonter vers les autres, vous faites quoi du coup? Oui, moi je vais me coucher. Mais écoute, moi je vais prendre possession de ma cabine aussi. Ok. Tu vois la différence quoi. Nous on va se coucher, lui. Il va dans sa prend cabine. Sa cabine. Sa cabine personnelle où il est tout seul. Ah, ça c'est pas dit. Sur la mer. Avec lui sur la mer. En même temps, j'ai payé le voyage. Ça. Imprenable, 2 étoiles. Tu fais un trou dans la muraille, peut-être. Ça. D'ailleurs, je tiens à rappeler, j'ai fait quelques erreurs la dernière fois dans ce que j'avais. Le bastingage, c'est la partie de. Sur les côtés du navire où vous pouvez vous appuyer, enfin, C'est la rambarde ? Ouais, c'est la rambarde, c'est ça. Dur, hein. Parce que j'avais dit que le bastingage était tout le côté du navire, mais en fait, non, c'est. Le côté, c'est la muraille, en fait, qu'on l'appelle. Et autre chose que j'avais dit, j'avais parlé des huniers pour parler des plateformes dans les mâts, mais en fait, c'est les hunes. Les huniers, c'est les voiles au-dessus des hunes. Que je me permets de rattraper ça. Je m'en rappellerai pas. Hein. La une. Non, bah. Non, c'est. Enfin, c'est. Histoire que moi, je vous dise pas des trucs faux pour. Ensuite, dire autre chose et vous perdre. Ouais. Et la une, et la deux, et la trois. Ça. Ouais. Et pouf. Pouf dans l'eau. Donc, si j'ai bien compris, vous allez tous dormir. Enfin, tous. Sauf Mio. Presque. Donc, j'ai encore un peu de boulot. Vous avez. Ouais, t'as 4 heures. Putain. 4 heures encore. Donc bah vous suivez Francis, non Léonard. Vous suivez Léonard jusqu'au cabine. Et alors pas toi madame, toi tu dors en dessous. Putain la loose. Oui ok. J'allais oublier pardon. tu vois d'ailleurs tu vois Pierre qui remonte. Donc vous allez vous établir. Toi, t'avais montré. T'as le capitaine qui était qui vous précédait et bah il te fait signe à toi, Joseph, d'aller vers la cabine de droite justement. D'accord. Ouais, il comprend que tu vas te coucher. Il te fait. Il y a un canon dans ma cabine. Il y a un canon. Cool. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci, capitaine. À vous aussi. Je ne vais pas. Je ne peux pas rester trop longtemps avec vous. Je dois encore. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous avez affaire. En effet. sachez juste que vous ne serez pas les seuls dans ces cabines. Vous partagerez vos couchettes avec. J'ai fait partager ma couchette. Avec les officiers de bord. Aucun pour l'instant, ils sont de quart, donc... Aucun problème. Vous êtes en intimité. Je leur laisserai de la place. Bien voilà. Vu que la nuit est tombée, on a allumé des feux sur le bateau pour pouvoir éclairer le pont. Toi, Milio, tu vois que c'est la même chose pour les autres bateaux du convoi, que ce soit le navire de guerre ou l'écuyer, la goélette ou la flûte. Tout le monde s'éclaire. Vous ne vous êtes pas perdu de vue entre temps. C'est une bonne nouvelle. Ça fait une demi-journée que vous êtes parti maintenant. Et il faut rester vigilant parce que on est en pleine nuit. Au bord des côtes. Voilà.
Ce sera ballot de se faire griller par mes gardes. Oui, ce serait dommage que ça soit un récif aussi. Oui, aussi. Voilà. En fait, du coup, Et pourquoi il se met pas en boucle ? Ah si, pardon. T'as le pilote avec... Donc, moi, je meurs. Qui a laissé la barre à Silas. Et lui, pendant ce temps, en fait, ce qu'il fait, c'est que il va au niveau du Beaupré, c'est le mât tout en haut, où il y a le phoque, FOC, pas le phoque. Oui. Et vous le voyez avec un assistant, il est en train de regarder justement, de surveiller d'éventuels récifs qu'il n'y ait pas d'obstacles. Et il fait comme ça le tour du bateau sans arrêt pour assurer que tout va bien. Eh bien, la nuit se passe. Toi, au bout de quelques heures, tu retournes en bas, Milio. Ce que tu vois, c'est que... mon lit. Non. Alors, non, tu ne vois pas de lit, justement. Il faut que tu... enfin, la baïeuse, quoi. En fait, non, si, c'est un branle que tu as. J'ai rien dit. Si, en fait, quand tu descends, hein, toi, t'as un peu l'habitude quand même, mais je parle aussi pour Com. Quand vous descendez, enfin, toi, t'étais déjà là avant, mais c'est pas grave. En bas, dans l'entrepont, il n'y a plus de table. Elles ont toutes été rangées. Enfin, plus ou moins, enfin, il y a. Elles ont été. Ça veut dire qu'on dort par terre ? Et non, la place est faite pour que les marins puissent installer leur branle. C'est un hamac qui est accroché en hauteur. On appelle ça un branle. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression branle-bas de combat. Voilà, c'est un branle. J'ai cru que tu allais dire une autre expression. Non, non. Un verbe. Et enfin, après, t'as le branle-bas de combat, branle-bas de manœuvre, enfin, t'en as plein, enfin, bref, c'est juste que c'est le plus connu. Et donc, en fait, bah, quand toi tu descends, Milio, comme toi t'es déjà installé, tu dors dans ton hamac. Alors, ça ballotte, hein, forcément, c'est la mer, il y a du gîte, ça a du tangage, donc toi, vu que t'es pas très habitué à la mer, t'as. T'as un peu de mal à t'endormir quand même. C'est un peu raide. Mais bon, tu devras t'y faire de toute manière parce que ça sera toujours comme ça. Oui, c'est pas très. Et ça va, y a pas beaucoup de marée, donc ça bouge, mais pas trop. Moi, c'est plus les autres ronflements. Ça peut être pire. Bah ouais, en effet, t'en as un peu. Et donc toi, Emilio, bah, tu vois plein de... Quand la cloche est sonnée, tu vois plein de hamacs qui sont installés, certains qui sont encore pris par leurs occupants, parce qu'il y en a qui traînent un peu, ils ont sommeil apparemment. Mais ton matelot, il est là à côté du tien, parce que vous partagez le même. Et lui, bah, il te fait signe pour que tu prennes place, et il te fait « Bon, c'est mon quart ». Puis retourne. Passe une bonne nuit, on se voit tout à l'heure. Non ! Bonne nuit. Ce gémissement. Le chien dort dans le hamac aussi. Du coup, en vaillant, tu le fais bailler en même temps. Il est là en... Oh le con ! Désolé ! Il le dit pas, mais tu sens que... c'est pas prévu. Allez, bon, on sera en forme demain. Allez, c'est parti. J'installe mon branle, puis bah, mon chien, bah... Bah, il est juste en dessous. Il dort à côté, mon chien, comme tout gentil chien. Bah, le branle, il est en hauteur, donc... Bah, par terre.
Mais... Oui, c'est ça. Il est... Voilà. Donc la nuit se passe pour vous et journée aussi. Donc comme je disais, journée se passe. On va pas faire chaque journée parce que bah c'est un peu la même chose qui se passe tous les jours. Hein. Vous levez, vous faites pour toi, tu t'occupes des manœuvres. Quand il y a rien à faire, que il fait jour, bah on te demande de récupérer le pont. Des fois tu es corvé de pommes de terre et d'autres épluchages. Ouais. Milio. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Le temps n'est pas capricieux. Et au bout de quelques jours, vous croisez la pointe de la Bretagne. Vous passez devant Brest, que vous voyez au loin. Vous devinez plutôt au loin. Pendant ces jours, Léonard, tu as eu l'occasion de parler au Turien ? Oui. De quoi vous avez discuté, du coup ? Bah, on va faire le RP sur ça. Oui, RP, bah oui, tout à fait. Donc lui, lui, il a pour habitude de se cacher dans l'infirmerie, donc c'est là-bas que tu l'as trouvé quand t'as voulu le voir. Ouais, voilà, j'ai tout cassé. J'ai demandé à un marin s'il fallait où était l'infirmerie pour vous trouver. Mmh. Et, je toque. Bah, je... Tu descends à l'escalier qu'on t'indique et puis il t'entend les pas lourds sur il entend les pas lourds sur le et donc il te voit arriver. Bonjour, nous sommes pas encore rencontrés, je crois. Non, bonjour, je suis Léonard Van Alphen. Je suis passager sur ce navire. Bien, c'est moi me présenter. Je suis Étienne Monchema, chirurgien de bord. Je lui serre la main. Il te dit ça sans trop... Enfin, en son ton de voix, il est pas sans trop de... convaincu. Si, non, mais il est... Sans trop d'orgueil. Enfin, tu vois, il se vante pas. Tu vois, il se présente simplement... Humblement. Voilà, c'est ça, humblement. Et il te serre la main... Bien, ce n'est pas un endroit habituel pour un passager que venez-vous chercher ici. Ah, voyez-vous, je suis chirurgien. Oh. Oui. Eh bien. Oui, et je pensais que c'était une bonne occasion de rencontrer un petit peu un collègue, surtout si vous avez un peu d'expérience. Je suis encore jeune et... J'ai une soif d'apprendre. Et tu vois qu'il est à peu près dans tes âges aussi. Fait pas plus vieux. Hein. Oui, d'accord. Donc, il te fait de l'expérience. C'est-à-dire que pas vraiment, en fait. Pas vraiment à bord. Et puis, pour le rôle qu'on m'a donné... Je saurais me débrouiller, mais je ne suis pas, je n'ai pas eu de formation de chirurgien barbier. Pour ma part, je suis plutôt un médecin. Disons que l'idée de retirer une jambe à quelqu'un me, enfin, vous comprenez, c'est quelque chose de délicat et je le ferai, mais... Oui, je comprends. C'est, c'est quand même quelque chose de stressant quand... C'est particulier, oui. Ouais, ce n'est pas que la vue du sang me dégoûte. Après tout, je sais pratiquer la saignée, il n'y a pas de problème. Mais quand même, couper une jambe, c'est quand même quelque chose. Ça demande une technique dont je ne suis pas un expert, forcément. Mais, désolé, je n'aurais pas voulu dire ça. Je ne veux pas vous inquiéter. Non. Mon rôle ici, ça devrait rassurer les gens. Non, et
Moi. Allô, t'as coupé à Seb. Ah, j'ai pas entendu. Désolé. Tu m'entends mieux, c'est bon? C'est bon. Ah, oh, vous savez, moi, très sincèrement, je voyage sur ce navire et j'ai envie de me rendre utile. J'ai envie de me rendre utile. Si à vous, je peux vous aider à quoi que ce soit pour l'aide de, pour aider ces marins et les autres passagers, vous pouvez compter sur moi. Bien, J'ai envie de me rendre utile. Bien, en effet, je ne cracherai pas sur de l'aide. Si vous êtes d'accord pour m'aider, je suis tout à fait pour. Ouais, bah écoutez, ça serait volontiers. Nous sommes là pour le bien des hommes à bord. Je ne ferai pas d'excès d'orgueil simplement pour cela, au contraire. Ah, écoutez, je trouve que c'est une noble qualité de votre part d'être ouvert à cela. Et justement, comme vous dites, ne pas faire d'excès d'orgueil. Comme vous dites, l'important, c'est la santé des passagers. Ah, il te fait un oui de la tête. Alors Nudox, est-ce que tu peux me dire, me décrire un petit peu entre guillemets son cabinet, s'il a des ouvrages, c'est le bureau, comment c'est à l'intérieur. Seconde, j'ai trouvé ça. Ah, déjà, ce que tu peux voir, c'est une grande table. D'accord. Avec l'équipement nécessaire pour pratiquer l'amputation, donc voilà, oui, tout est déjà installé. Ah voilà, c'est ça. Le Saint-Michel, c'est un bateau qui a déjà qui a vécu, donc en fait tu sens le vécu dans cette pièce. Mmh. C'est un mélange de pourriture et un peu de choses, hein. Tu penses que tu vois de quoi je parlais, cette odeur un peu un peu ferreuse de ce liquide rouge. Je vois. Écoute. Tu sens un peu ça, enfin tu vois, c'est que l'odeur du trace. Une trace en l'air, mais ça montre que le bateau a du vécu et a vu passer des gens ici. Les murs ont été repeints plus d'une fois. Donc, et sinon, ce que tu vois, en fait, bah, c'est des endroits où vous pouvez accrocher des branles pour les personnes qui doivent être confinées, quoi. D'accord. Ils doivent se reposer, voilà, pour que le chirurgien puisse s'occuper de lui sans que on ait à le transporter, que lui ait à bouger ses affaires et tout. Donc, si un patient qui doit rester un moment en rétablissement, bah, il reste, il s'installe là, quoi. D'accord, je vois. Il n'y a pas trop d'effets personnels, enfin, qui me semblent être des effets personnels du médecin. Alors, vu que tu me parais de bouquin, tu vois une étagère avec quelques livres. C'est pas très riche, mais il y a quelques ouvrages, en effet. D'accord, je passe un coup d'œil dessus, si tu peux me dire vite fait rapidement les titres. Bah, t'as mon chemin, il te fait. Je me permets de m'appuyer sur les lectures pour faire au mieux. Oh, vous avez raison. Et vous avez cet ouvrage qui parle vous savez, je suis encore jeune médecin.
J'ai besoin de l'aide de sachants. Et celui-là se parle des humeurs et de leur impact sur les hommes. Comment il détaille un peu la procédure de saigner, quelle action choisir pour en cas de maladie. Ce n'est pas toujours évident. Vous savez, le corps est assez inaccessible. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur comme ça. Alors, le corps est une création bien complexe. En effet. Mmh. Et j'ai choisi d'apporter aussi des ouvrages qui parlent un peu plus de travail du chirurgien, parce que je suis ici pour ça, après tout. Ouais. Mmh. Et justement, t'as un bouquin qui s'appelle de l'amputation au bien-être du marin. J'aime beaucoup ce livre. Et puis il t'en montre un dernier sur plutôt des ongles qui parlent de d'ongans, de pommade, de je trouve pas le terme général, mais de pommade voilà, ce genre de choses à appliquer sur les blessures, quoi. J'ai le mot sur le bout de la langue aussi, c'est énervant. C'est un peu tout ce que j'ai pu emporter. Je n'ai pas vraiment une grande bibliothèque chez mes parents, mais j'ai pu au moins prendre cela. Et mais bon, maintenant que vous êtes là et que vous proposez votre aide, je n'ai plus vraiment de soucis à me faire de ce côté-là. Vous pouvez être sûr que je sais de quoi il s'agit de quoi le métier de médecin s'agit, mais pour ce qui est de chirurgien, je vous demanderai conseil. Vous le voyez bien. Oui, je comprends. C'est quand même deux domaines bien distincts. Et je comprends que parfois des gens puissent vous assimiler à l'un, alors que un médecin n'est pas forcément chirurgien et inversement. Au contraire même. Au contraire. Ah, ce sont des choses quand même différentes. Un médecin vient quand il n'y a pas vraiment de médecin à bord. Alors oui, dans ce cas-là, les hommes peuvent se méprendre et bon, quelque part, ce n'est pas de leur faute. Ils ont besoin de quelqu'un et ils font confiance à celui qui s'approche le plus de ce qu'ils recherchent. Tout à fait, tout à fait. Quelque part, c'est souvent notre travail principal, rassurer les gens. C'est bien compliqué. La maladie est quand même un mal bien terrible. Et que Dieu fasse son œuvre, et j'espère que personne ne souffrira de maux trop importants ici. Oui, oui, espérons que le Seigneur entende nos prières. Moins nous aurons de travail et mieux ça sera pour tout le monde. Pardon, tu peux répéter la fin ? Ah, moins nous aurons de travail et mieux ça sera pour tout le monde. Oui. Heureusement, pour ma part, j'ai quand même un peu d'expérience en mer. C'est la deuxième fois que je prends la mer pour aider. Ah, comment s'est passé votre première fois? Ce n'était pas pour une aussi grande traversée. C'est un échange commercial entre
Nous partions du Havre pour aller côté de Bordeaux. La traversée n'a duré que quelques jours. Je n'ai pas eu grand-chose à faire. Je me suis occupé de quelques petites séquelles. Mais, pas de grand plus, non. Le mal des dents n'était pas présenté à ce moment-là, fort heureusement. Tant mieux quelque part. Mais j'ai pu au moins voir à quoi ressemblait la vie en mer, même si c'était pour un voyage, une course, un courrier moyen. Enfin bref. Oui, un court voyage. Un court voyage. Oui, je comprends ce que vous dites parce que moi, je ne connais rien à la vie en mer. Je vous avoue que je me sens complètement perdu ici. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est. Je pense que vous y ferez. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, mais vous n'avez pas l'air mal en point dès le départ. Donc, je pense que c'est bon signe. Oui, oui. Ça... Si jamais vous sentez un peu faiblard, c'est normal, mais on s'y habitue. Ah, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus. Peut-être que vous avez à faire ou à étudier. Mais sachez que c'était un plaisir de vous rencontrer. Bien de même. Dans la pharmacie, je n'ai pas mentionné, mais tu vois justement un présentoir en fait avec différents bocaux pleins. Voilà. T'imagines pour faire des onguents. Ouais, ok, je vois. Voilà, je n'avais pas mentionné. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Je vous laisse, c'est vrai. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez voulu juste parler, faites-moi signe. Et je fais un sourire. Ben, à vrai dire, juste avant que vous partiez, oui pour quelle raison avez-vous choisi d'être passager? Je ne l'aviez pas dit, mais vous savez, les chirurgiens sont assez prisés. Donc, si vous avez choisi ce bateau au lieu d'un autre, c'est quand même pour, j'imagine, une raison. Pas de raison professionnelle, pour être honnête avec vous. J'avais juste besoin de voyage et de voir du pays. Ah, je vois. C'est une raison tout à fait compréhensible. Eh bien, j'espère que votre destination vous poussiera. Oui, j'espère aussi. À plus tard. À plus tard. Je m'en vais. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose pendant les quelques jours? Moi, si je peux avoir un partenaire pour m'entraîner à l'escrime un petit peu, mais sinon rien de particulier. Ok. Une victime, on dit. Moi, je bosse. Tu mousses? Oui. Alors... Je fais connaissance. Avec tout le monde. Parce que je suis sympa. Même quand il y en a un qui a mangé ton chien? Personne n'a mangé mon chien. Pour l'instant. Ouais. Alors, comment ça marche déjà l'escrime? Ah. Alors, je prends des dits. Faire pas arme. Escrime opportunité. Yep. Là. Escrime, très bien. Alors. Donc, tu vas voir Nicolas Vermont. Oui, Nicolas Vermont.
qu'est-ce que tu proposes, quelques bazar? Tu proposes ça comment? Oui, quelles conditions, quel lieu? Alors, rien d'agressif, c'est juste quelques passes d'armes pour se dérouiller, se garder en forme un petit peu. Un décrassage. En fait, ça, toi, tu utiliseras ta rapière, c'est ça? C'est ça. Et tu veux... Bah, du coup, il te fait... Allons sur la dunette, nous aurons suffisamment de place et au moins nous ne dérangerons pas les hommes à la manette. Bah. Ça me va. Vous allez là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Changer la musique un peu. Ah yes. Ce yes qui vient du cœur. Bah oui. Ah je fais la mise en scène, je l'action. Je veux cette odeur de fer. Juste les autres, vous êtes où, vous? Toi, t'es... Enfin, fait jour, hein. On n'est pas un jour précis, donc vous faites ce que vous voulez, ou rien. Pendant que les deux personnes s'installent sur la dunette. C'est où, la dunette? La dunette, c'est ici. C'est sur le pont supérieur, c'est la partie la plus haute à l'arrière. D'accord. Bon, écoute, moi, si j'ai rien à faire et que je les vois, bah, je m'installe, en fait. Et je regarde un petit peu la passe d'armes. Ok, vas-y, mets-toi... Salle-toi. Ouais. Oup, attends, hop, là, pardon. Ah, là, t'es... Ouais. Parce que tombé pas. Je me mets là, hop, sur un coin. Okay. Où... C'est un endroit où je peux pas gêner, tu vois, Ok, donc, ça, ton order quand même. Voilà. Allez, Joseph, mais je vais la racler. Alors, je vais recommencer ça, hop. Non. Merde. At turn, oui, c'est vrai. Hop. Je laisse mettre ton score d'adaptabilité, enfin de initiative. Alors, mon score d'initiative. Initiative. Ah, c'est sur mon token qu'il faut que je change ça. Non, dans le turn order. Alors, je te donne 2 secondes. Ok. Lui il a 5. Ok, alors du coup dans la version L5R ça voudrait dire que t'as moins d'honneur que lui. C'est ça. Ou tu agis en premier. Alors lui il se bat au sabre. Ok, donc ça risque pas d'abîmer ma rapière, y'a pas de problème. Non, parce que pas. Il se bat à la masse. Et il frappe la lame. Il se bat au Tetsubo. Nombre d'opportunités par tour au combat et par voisin. Ok, une opportunité. 5 ans, ça marche. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Tout va bien. Donc... Je suis le premier à agir, donc vous êtes tous les deux sur la dunette. Vous avez un petit public que vous avez. Vous avez d'un côté le second avec le maître canonnier, de l'autre le capitaine. Et puis il y a aussi Léonard qui regarde. Ok. Si toi aussi, comme t'as envie de venir. Ouais, j'aide plutôt moi Pierrick. C'est pas un défi amical, hein. C'est juste. Non, c'est nul là. J'aide plutôt Pierrick, moi. Oui ou non? Pendant la journée. Pierrick, ok, ça marche. Très bien. Alors, bah du coup, première passe d'armes.
Comment ça marche déjà? Tu me fais un jet. Vous êtes tous les deux, donc lui avec son sceptre, ta rapière. Ouais, j'ai un jet de d'accord pour faire attention à pas vous blesser et simplement échanger. Donc tu me fais un jet de rapière. T'as combien en escrime juste? T'as 3, non? Alors j'ai un rapière, j'ai 3. Non, escrime. Escrime, c'est où? Escrime, j'ai 3 aussi. Ok. Tu as le escrime et opportunité, le petit doc, tu l'as d'ouvert? Non, mais ça peut s'arranger. Ouais, dans les handouts. Alors, escrime et opportunité, hop là, c'est bon, c'est ouvert. Faut que tu aies aussi les postures et avantages. Ouais. Donc, posture et avantage. Bah c'est toi qui commence, que tu fais. Ok. Bah je vais tenter. C'est quoi la posture moyenne? C'est attentive, c'est ça? Attentive. Okay, bah je reste en attentive. Hop. Et je fais mon jet d'escrime. Je fais escrime ou rapière du coup? Je fais rapière. Rapière. Et c'est rapière sur adresse, je crois? Sur adresse. Attends. Non, ah, sur perception ou adaptabilité. Mais je crois que c'est adaptabilité, mais je vais te le confirmer 2 secondes. Là. Non. Alors, règle, combat, dégâts, c'est l'art des... Ok. Donc, là, pas loin. Ah! Arme. Mais, ah voilà, pardon. Alors, la rapière, c'est adaptabilité, c'est bien ça, le sabre, c'est adresse. Ok. Donc t'as fait 3 succès. Tu peux cocher ta case cool pour avoir l'XP. Ouais. Je peux cocher ma case pour XP. Il a oublié ça. 3 succès au fait, hein, c'est ça. Ouais, ça partir de 3 succès. Vu qu'il a lancé 3D, il a fait 3 succès ou plus, donc il peut cocher. Mais c'est ça, tu coches quand t'as plus 3 de succès. Ouais, je vais le faire. Attends. Non, je fais. Je garde. Ok. Donc. Si jamais je me plante, vous me dites. Hein, mais... ça fait un peu longtemps le combat. Enfin, pour tout le monde, mais. Donc. En fait, tu. Donc, voilà. Toi, tu te lances en premier. Ouais. Je dis attention, j'arrive. Ok, tu fais quoi comme type de coup? Oh la main. Qu'est-ce que je fais? Bah non, je fais des coups. Je tente des coups des stocks. Ok. Eh bien, vu que pas tu de fourberie, hein, je vise pas les machins. Ouais. Bah lui, tu vois que vu que tu l'as prévenu, il est vraiment paré et à chaque coup, il dévie. Donc en fait, il prend pas le dessus sur toi, mais je le prends pas sur lui non plus. Voilà, vous êtes à égalité pour l'instant. Tu peux faire un autre jet. Faire un autre jet. Ça reste pas coincé sur l'adaptabilité. Ouh. Okay. Ok. Donc, t'as fait 1, 2, 1, 7, 15 points du coup. C'est quoi? C'est 3 succès. Mm-hmm. Bien ça. Donc,
Tu es toujours en posture attentive. Lui aussi, il était en attentive. Ouais. Il attendait que tu... Enfin, voilà. Pas d'une manière spéciale. Ouais. Donc, je vais te lancer un des 6. Que là, tu l'emportes. Ok. 6 en posture attentive, ça fait dégâts sauf en cas d'esquive. Donc, là, tu as... En marge de réussite, tu as 3. Ouais. Donc, tu fais techniquement 3 points de dégâts plus... tu fais 3 points de dégâts. D'accord. Mais bon. Je ne porte pas vraiment les coups, tout ça, je m'arrête avant. Voilà, tu vois que tu vas pour le toucher, en fait, tu t'arrêtes juste avant. Avec le plat. Tous les deux, vous baissez votre arme, vous désengagez un peu pour revenir. Ouais. Vous reprenez place. Vas-y, tu peux me faire un troisième jet. En posture attentive, toujours ? Oui. Ok. Donc, tu vois que là, par contre, tu vois, il t'a pas attendu cette fois. Ouais. Parce qu'il l'a pris. Il s'est fait avoir la fois d'avant, donc il a voulu prendre l'initiative. Mm-hmm. Et au final, il s'est peut-être. Un peu trop précipité. Légèrement. Mm-hmm. Donc, tu arrives à le maîtriser encore une fois et tu vas pour. Pour lui, tu dévis son cou, tu saisis son bras et tu vas pour mettre la lame au niveau de la nuque. Mm-hmm. Bon, t'arrêtes avant, évidemment. Bien sûr. Et je le décapite. Je le coupe la tête. Voilà, c'est plus fort. Du coup, tu vois, il se raidit d'un coup, il fait, il souffle. Bien, on va continuer. Je vais essayer de mieux faire. Désolé de. Et vous en sortez très bien. Ça vous fait honneur. Bien. Bah du coup vous reprenez encore une fois votre place. On va faire 5 comme ça. Ok. Sort. Donc vas-y lance-moi des. Fais-moi. C'est chiant, ça reste pas sur l'adaptabilité. C'est... Ok. Ah lui, il était toujours en mode vénère. Ouais. Il voulait encore prendre l'avantage sur toi. Et sauf que cette fois, il se loupe lamentablement et t'as même pas le toucher en fait que il se plonge son sable dans l'œil. En fait, il va pour se rapprocher de toi rapidement et il glisse sur son pied droit. Quand il essayait de te porter un coup et du coup il tombe à tes côtés. Mais il est et en lâchant son sabre. Il m'avait prévenu. Il est nul. Ouh. Ouh. Bon, je suis pas l'homme. Je laisse ramasser son sabre. T'es sur les cordages. Ouh. Le mec sur les cordages. C'est peut-être pour ça qu'il a dit quoi, que vous alliez sur la dunette comme ça. C'est ça. On vous voit pas trop. Ok, ouais, il respecte et bon, il te fait, ok, je vais m'y prendre autrement, je vais vous attendre cette fois. Très bien. Vas-y, on fait un dernier jet. Oui, dernier jet. Ouais, je ferai pas de la merde. Je vais t'avoir enculé. Je vais t'avoir. Ok. J'aime bien, c'est... Régulier. Ouais, c'est clair. Cette fois, il t'attend. Ouais. Tu vas pour le chercher. Mm-hmm. Il tient. Tu essayes de viser. Enfin, tu fais une fin de parti pour viser le torse, puis tu t'abats sur les jambes. Mm-hmm. Il arrive à anticiper le mouvement.
Mais sa lame, elle ne te bloque pas, elle rip sur la tienne. Et du coup, il laisse passer le coup malgré lui. Et encore une fois, c'est toi qui l'emporte. Je salue et... Ça, c'est mon seigneur, voilà. Je le remercie. Je le remercie. Merci. Merci. Il te fait une révérence. Et il fait... c'est à moi de vous remercier. Je pense pouvoir conclure que je manque d'entraînement. Si vous voulez recommencer ça plus tard, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Et vous êtes bien battu. Merci, merci, monsieur. Bon, du coup, t'avais ceux qui regardaient, sans trop de mots... Ils sont déçus. Ouais, ouais. Toi, tu sens un peu de déception, en effet, du côté de... Du côté du second Joseph. Il range son arme et puis il t'accompagne près des autres. Il t'invite à descendre. Moi j'ai un petit sourire en coin, si tu me vois. Et je te regarde bien joué, bien joué. Ah. Vous alliez pour descendre et il fait. Et donc, vous battez vraiment d'une belle manière. Où avez-vous appris Oh, vous savez, je l'ai appris avec un maître d'armes. J'ai eu cette chance et cet avantage de pouvoir apprendre avec l'aide d'un professionnel. Bien, je vois que malgré j'imagine une situation un peu particulière, le combat sur pont, malgré cela vous ne bronchez pas. Alors, vous savez, l'escrime c'est beaucoup une question d'équilibre, donc une grosse partie de mon enseignement a été de savoir trouver mon point de pivot et mon point d'équilibre et de rester stable sur mes jambes. Donc effectivement la houle est quelque chose de nouveau et d'intéressant, mais j'espère arriver à m'en accommoder. En effet, heureusement elle n'est pas très forte, mais je dois bien avouer que je misais sur cela pour prendre l'avantage, mais je dois bien avouer que vous avez été meilleur. Merci, mais c'est un entraînement régulier que mon statut me permet de pratiquer assez régulièrement. Eh bien, vu votre aisance, peut-être aurez-vous vous aussi votre place dans un commandement de navire. Écoutez, l'avenir le dira. Pour quelqu'un qui manie l'art martial aussi bien, je pense que vous saurez vous faire votre place très facilement dans la marine. Écoutez, nous verrons si cela s'avère possible et utile. Bon, du coup, il te salue. Je le remercie encore une fois. Et vous séparez. Ouais. Et si ça vous dérange pas, on va s'arrêter là. Ouais. Yo. Ouais.